Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. C'est très heureux de vous retrouver cette semaine avec Guy Charles Essick. C'est ça comment c'est dit ? C'est ça, Guy Charles Essick, tout simplement. Guy Charles Essick. Mmh. Alors c'est vrai que la rencontre s'est fait, on s'est parlé en fait sur Internet, sur Facebook, via Facebook. Et à partir de là, je me suis toujours posé la question, comme beaucoup d'entre nous, eh bien, on a toute cette nouvelle thérapie aujourd'hui qui parle de thérapie quantique, de choses, mais avec des machines. Et c'est vrai, avoir les concepteurs de machines, de quoi ils partent, c'est vrai, c'est toujours intéressant. Et donc, c'est comme ça où tu m'as révélé que finalement, tu créais ces machines-là. Hein, oui. Parce que tu es toi-même, tu es thérapeute, comment on peut alors, dire je ça ? Suis pas thérapeute, je suis rentré dans la thérapie par un peu par obligation. Parce que quand on fabrique quelque chose, bah, il faut essayer de le faire marcher. C'est comme un pilote qui va piloter sa Formule 1. Faut déjà qu'il sache un peu comment elle marche, parce que sinon c'est pas possible. Et en tant que pilote d'essai, tu as pris des crashs quand même ? Oui. Voilà, je me suis électrocuté plein de fois. Je me suis juré à moi-même que je ne mettrais plus jamais les doigts dans la prise. Mais bon, il n'y a que la moitié du corps qui a accepté le pari et l'autre moitié a refusé. Donc je continue encore à mettre les doigts dans la prise. Et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on apprend à nos détriments, mais on apprend aussi pour le bien des autres. Pour le bien des autres, voilà, ouais, parce que c'est ma vocation malgré tout. Hein, je suis un plus scientifique, je suis chercheur. Et puis j'ai eu la chance de devenir trouveur. Trouveur. Hein, voilà. Alors ça, c'est un scoop j'aime bien le terme, c'est pas mal. j'ai trouvé des choses. Ouais. J'ai trouvé des choses intéressantes aussi parce que je suis né certainement sous une étoile de chance et j'ai eu la possibilité de rencontrer des gens comme le professeur Rémi Chauvin, qui était au CNRS, qui hélas nous a quittés, mais à 96 ans quand même. C'est énorme. C'est quand même un grand bonhomme. Et puis avec un franc-parler extraordinaire et vraiment peur de personne et peur de rien, quoi. Donc, c'est un peu comme si un gamin qui était fou des contes Jules Verne avait rencontré l'auteur. Exactement. Hein, là, c'est un peu ça. Voilà. Tu as un rêve donc, de gosse. Ça m'a. J'ai pris une charge. C'est un petit peu comme quand on met les mains dans mon appareil pour arriver à voir ce genre de photos. On peut voir là ici. Voilà, pour arriver à voir ce genre de photos, on met les mains dans un appareil et on envoie 250 kilovolts. Ah, 250 000 volts. Mais par contre, on ne le sent pas. Parce que, bon, il n'y a aucun danger à l'utilisation de ça. Oui, c'est l'ampérage après qui. Voilà, c'est l'ampérage, c'est 0,01 milliampères, donc on est loin des zones de danger. Ouais, comment ça fout une sacrée châtaigne, hein. Quand on voit les briquets électriques à cliquer, tu sais, des fois qu'on se prend une châtaigne, ça se fout. Et bien là, on sent absolument rien. On a beaucoup plus de puissance encore à notre disposition, mais on ne sent rien. D'accord. On ne sent absolument. Je dis pas qu'il faudrait le faire dans la baignoire non plus. Mais bon, je vois pas l'intérêt de le faire dans la baignoire, mais on peut toujours avoir affaire à des gens un peu particuliers qui aient envie d'essayer. Bon, voilà. Vous avez déjà, en fait, on a teasé, en quelque sorte, sur la teneur de cette soirée, vous allez voir ça. On va en parler précisément, on va voir ton parcours, hein, comment tu en es venu à ça, même si tu nous as spoilé, hein. C'est comme ça, on ne spoile pas. Hein, si je vous aurais raconté la fin de Game of Thrones, je crois que tout le monde m'aurait détesté. Là, c'est pas le cas, mais ça donne un bon avant-goût, hein, on va dire, de ce soir. Et je vous encourage, que ce soit sur Facebook ou YouTube, eh bien non, c'est dans l'autre sens, c'est Madis de Kixif. Facebook est ici, YouTube est là-bas. Voilà. Et d'ailleurs, Guy Charles a les yeux sur les questions, donc il les verra en direct et se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que la recherche, c'est passionnant. C'est vrai qu'à l'origine d'un appareil dont les thérapeutes vont se servir pour voir au-delà du visible, parce que là, on est dans des autres spectres, on en parlait un peu hors caméra. Sur notre vision, on voit un nombre de couleurs déterminées par rapport à des fréquences que notre vision, mais on sait très bien que les animaux, certains animaux, par exemple les abeilles voient l'ultraviolet, d'autres mammifères voient dans l'infrarouge, ce qui nous est interdit à nous, donc on a un spectre visible limité, et Guy Charles s'occupe de ça, mais pas que, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. On va en parler tout au long de cette soirée. Auparavant, j'aimerais vous encourager vraiment à aller voir donc le grand colloque de Lyon qui se prépare, organisé par Alchemia et
éditions en collaboration avec la librairie Cadence à Lyon. Et par la même occasion, on va en parler aussi avec... alors, je vous montre déjà le fascicule, comme d'habitude, hein, que j'ai en main, où là, vous avez donc toutes les dates hein, nécessaires et tout le programme, tout le long de la de ce qui va se passer dans ce grand week-end du 29 au 30 juin prochain. C'est les secrets des lieux sacrés, énergie, géométrie et géographie sacrée, organisée par Alchemia Édition. Nicolas, Pierre-Alexandre Nicolas sera présent. On l'a reçu à plusieurs reprises sur les secrets de l'eau. C'est un ancien physicien, alchimiste et géobiologiste aujourd'hui. On en parlera. Et juste en attendant, je vais vous envoyer un petit clip pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour vous montrer un petit peu ce que c'est pour ceux qui l'ont raté. Et puis ensuite, on revient sur Guy Charles pour parler de ces inventions-là. A tout de suite. Comme on dit, ça pète, hein. Ça dégage quand même, c'est pas rien. Voilà, c'est un teaser qui permet. C'est vrai que c'est un montage très brut, mais c'est à vous de faire pause. Hein. Il y a une publication qui remonte un peu plus loin, on va dire. Je sais plus où est-ce que c'est, je crois que c'est ça. Voilà, si on regarde, non, on le voit plus, c'est pas grave. On le verra une autre fois. Si vous allez sur le Facebook ou sur la chaîne YouTube, il y a le teaser, vous pourrez mettre pause et regarder précisément le programme qui se déroule. Vous pouvez donc ici retrouver Alchemia. Alchemia.fr et vous verrez ici le colloque des lions, un onglet spécialement qui a été prévu pour ça. Et là, avec Pierre-Alexandre Nicolas, évidemment, on présente le programme avec chaque intervenant, justement pour préciser le déroulé et pour participer à ce grand colloque sur les secrets des lieux sacrés. On en revient avec Guy Charles, qui m'a fait le plaisir de venir. Tu viens de Bolène, quand même. Je viens de Bolène, voilà. Voilà. J'étais dans le Nord avant, j'étais dans la région de Troyes, de Sens et de Troyes, et le soleil m'a beaucoup attiré. Et puis le carrefour autoroutier de Bolène est sympa. je suis venu m'installer pour pouvoir rejoindre ma fille qui est à Valence. Et donc ça me permet de la voir très régulièrement. Voilà. L'utile à l'agréable. Le soleil, le travail, on continue, hein, on s'arrête pas. Oui, parce que quand on est trouveur, on travaille à mi-temps, ça c'est un minimum, hein, c'est 12 heures par jour. La vie de famille à côté de ça, bah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc plusieurs femmes y ont laissé des plumes, voilà. Moi aussi. Moi, j'ai été plumé, complètement plumé, mais bon, ça fait partie du jeu. Que ça éteigne ta passion, la flamme. En fait, le problème, c'est que on peut dire, on va dire, en plaisantant un peu moins, mais en restant sérieux dans cette histoire, on a beau rigoler, tes femmes étaient toujours au second plan derrière. Ta première femme, c'est la recherche. Oui, exactement. C'est elle qui m'a fait vivre, c'est elle qui continue à me faire vivre. Et puis, c'est elle qui me fera vivre demain, parce que on est à un carrefour de découvrir encore des choses extraordinaires. On va en parler tout à l'heure un petit peu. Bien sûr. Pas pour vous mettre à la bouche, mais vraiment par mesure d'une part de sécurité et d'autre part de longévité. Parce que quand on a passé un certain âge, on se rend compte que la longévité, on fait plus 10 km à pied comme on faisait avant. On fait plus autant de vélo qu'on en faisait avant. Je veux dire, donc on sent bien que notre corps se ralentit. Notre cerveau continue à fonctionner d'une façon normale. Par contre, notre pure mécanique est un petit peu ralentie. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'apporter à l'humain et à l'animal, puisque pour nous, maintenant, c'est complètement indissociable, la vie d'un chat, d'un chien, d'un éléphant, et on va en parler aussi tout à l'heure.
d'ailleurs, la vie d'un serpent, ou la vie d'un enfant, ou d'un problème d'autisme, ou d'un problème de pathologie dégénérative importante, ce qu'il faut apporter, c'est une solution de mieux-être. Alors, on n'a pas, nous, la prétention de dire qu'on guérit tout, qu'on soigne tout, etc. C'est pas notre boulot, c'est le boulot des médecins. Par contre, on a vraiment l'intention d'apporter un plus de confort de vie, qui touche aussi la compréhension entre la partie purement émotionnelle, parce que il y a quelque temps, c'était complètement impossible d'associer une émotion à une pathologie. Aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes, qu'ils soient médecins ou non, parlent d'abord d'émotion avant de parler de la pathologie. Parce que notre cerveau a ce potentiel-là, de nous faire guérir, mais il a aussi le potentiel de nous rendre malades. Donc c'est l'interaction de savoir qui on est et de savoir où on va. On se met là au milieu, on fait une photo comme la photo que vous avez vue tout à l'heure, ce genre d'image, et là on va réussir à comprendre toute la partie gauche, ça va nous raconter l'histoire des gens avec leurs problèmes psychologiques, physiologiques, émotionnels, fonctionnels, sentimentaux bien sûr, parce que les sentiments ont beaucoup d'importance. Et puis toute la partie droite, ça va nous permettre de comprendre la matière. En fait, le corps tel qu'il est arrivé avec toutes ses épreuves dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc nous, on se concentre, on peut dire, sur la PNL, sur le langage corporel qui, des fois, trahit, en fait, ce qui est caché, ce qu'on ne dit pas forcément, quand ça se mord les lèvres, ou quand tousse, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer quelque chose. Mais apparemment, là, on le revoit encore, on remarque, la partie gauche droite révèle d'autres choses. C'est la PNL, mais à un autre niveau subatomique, on peut parler de ça. Tout à fait. Et alors, l'avantage aussi, c'est qu'on peut se projeter, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on voit hier, qu'on voit aujourd'hui. Et puis, ce qui est capital, c'est de pouvoir avoir un œil sur demain. Parce que le potentiel des gens est déjà inscrit dans leur image. Nous, notre énergie, elle est constante, on la sent, on vit avec, on se lève le matin, on met le pied par terre, on bouge, on mange, on dort, on boit, on fait tout ce qu'on a à faire. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus sensibles, auxquelles déjà l'éducation qui est la nôtre nous met dans des rapports avec notre inconscience beaucoup plus bridés que notre propre mécanique. Et ça, c'est important de le concevoir, parce que dans la mesure où on bride un élément, que ce soit un moteur, si on le bride, il casse. Que ce soit n'importe quelle fonction, on va brider un arbre, il ne va pas pousser comme il faut, il va se mettre à pousser de travers, etc. Du reste, il y a des artistes qui font pousser les arbres d'une façon extraordinaire par rapport à ça, parce qu'ils brident, ils brident sa croissance naturelle. Et nous, notre croissance naturelle, elle est bridée par notre éducation, elle est bridée par l'environnement qui est le nôtre, elle est bridée par tout un tas de choses, par notre alimentation, bien sûr, parce que on n'a pas. On nous coupe l'instinct de l'instinctothérapie, puisque ça s'appelle comme ça. Qui permet de nous nourrir. Le corps, apparemment, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Il est parfaitement informé et on nous empêche de le décoder. C'est-à-dire qu'on dit non, tu mangeras ton beefsteak avec des frites, parce que c'est la mode en France. Et puis, si on va un peu plus loin, tu mangeras la cuisse de grenouille avec du riz, parce que ça fait partie de. C'est pour ça que d'ailleurs, les femmes enceintes nous sidèrent avec ça, parce qu'elles ont des besoins et des envies qui sont en fait là. L'instinctothérapie revient chez les femmes enceintes de Bien manière sûr, naturelle. Tout à fait. Et elles mangent des fraises, elles mangent du chocolat. Mais en fait, c'est ce qu'il leur faut. Et bien, c'est ce que le bébé demande. Parce que le bébé à l'intérieur, lui, il se moque de tout ça. Il a besoin de certaines choses et il fait savoir à la dame qui est en train de fabriquer, à sa mère, il lui fait savoir ce dont il a besoin. C'est tout ça qui est... L'intelligence de la vie va jusque-là et à même plus loin. Et c'est une lecture de cette intelligence que tu proposes à travers ces photographies. Exactement. En termes d'interprétation. Donc, on parlait hors caméra que lorsqu'on voit un radiologue qui est en train d'interpréter, il voit des choses dans les os qu'on voit pas. Alors, si c'est une fracture, une fêlure, on le voit aussi, on a des yeux. Oui. Mais au-delà de ça, il est capable de voir de l'ostéoporose, des choses et tout que nous, on ne voit pas forcément. Bien sûr, parce qu'il rentre à l'intérieur de la matière. Voilà. Là, mais apparemment, par rapport à cette photographie qu'on voit ici, on va pas fustiger, mais simplement, certains, par exemple, tibétains, avec un œil, un troisième œil développé, disent que ce type de photographie, c'est ce qu'ils arrivent à avoir, eux, quelquefois, en pure concentration. Je suis intimement convaincu que
notre potentiel est très bridé, encore une fois. Hein. On a un cerveau bien rempli, sauf qu'il n'y en a que 10% qui sont actifs, et que les 90% dorment, ou sont peut-être voués à autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont capables, par des méditations, par des concentrations, par tout un tas de formes de vie et de formes de pensée, de voir un spectre ouvert. Notre regard humain est un spectre fermé. On voit très peu de choses, en fait. On s'imagine que la nature est belle. Oui, elle est belle. On s'imagine que la mer est bleue. Oui, elle est bleue. Mais pas que. On voit un arc-en-ciel. Alors, c'est superbe, un arc-en-ciel. En plus, il est arrondi. Il nous montre que la Terre n'est pas plate, etc. Des fois qu'il y en a qui doutent encore. Mais bon, à part ça, on a un spectre limité entre les infrarouges et les ultraviolets. C'est ça sur ça qu'on voilà, voit. C'est quelques fenêtres. Centimètres sur plusieurs dizaines de mètres. Ce que l'on fait avec notre machine, c'est qu'on va s'appuyer avec une charge électrique très puissante, hein, puisqu'on envoie 250 kg, c'est de pouvoir exploser d'une certaine façon l'hydrogène et l'oxygène qui va nous permettre d'ouvrir ce potentiel de vision, qui nous permet de capturer à 1 nanomètre et de monter jusqu'à 2000 nanomètres. C'est-à-dire qu'au lieu de voir... Un spectre très large, ouais. Au lieu de voir un spectre court, raccourci, on va voir un spectre ouvert. Alors, ça, c'est la technique qu'a développée, entre parenthèses, M. Kirlian, dans les années 30... On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, même si aujourd'hui on sait que c'est pas lui qui a découvert la spectrographie, que ça serait plutôt un Français qui l'aurait fait. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là seulement pour expliquer que grâce à ces éléments-là, on peut découvrir des choses intéressantes. Et il y a des médecins allemands qui s'appellent les docteurs Mandel. Il y avait un médecin homéopathe et un médecin biologiste c'était deux frères, qui se sont mis à travailler sur la correspondance entre ce que l'on voit au niveau des doigts et l'acupuncture, parce que on ne tire pas les cartes avec une photo, c'est pas de la géomancie du tout. Par contre, ce que l'on voit sur la photo, c'est seulement l'expression électrique de la localisation des méridiens d'acupuncture. Et en fonction des méridiens d'acupuncture, on va pouvoir comprendre si la charge passe ou si elle ne passe pas, si elle est toxique ou pas. Là, tu es en train de m'expliquer qu'en fait, on aurait une sorte de map-monde de méridiens. Bien sûr. Un peu comme sur une planisphère, hein, qu'on voit dans les globes, mais qui est beaucoup plus, on va dire, alambiqué, parce qu'on n'est pas rond, on n'est pas une sphère. Non. Voilà. Et grâce à ce procédé, d'ailleurs, j'ai du mal à donner le nom, tu l'as marqué sur la... Mais comment on dit ? Képhrénothérapie ou... Alors, on dit képhrénothérapie, on dit képhrénothérapeute pour les gens qui l'utilisent. Ça, c'est le nom que l'on a, nous, déterminé entre l'image et la correction thérapeutique. Ce que l'on voit là sous l'image, c'est connu sous l'effet Kirlian, mais l'effet Kirlian numérisé. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on était obligé d'utiliser du papier argentique. C'est-à-dire, on était sous les mirena techniques déjà, et puis on était dans le rouge, et puis on avait notre papier, on avait nos bains, révélateurs, eaux, fixateurs. C'était très drôle, c'était très tachant aussi, parce que le nombre de pantalons que j'ai pu y laisser, c'est inconcevable. Mais bon, c'est très toxique, hein, en plus. Oui, oui, oui. Comme on est un peu bio aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus du tout dans la toxicité, puisque maintenant, il n'y a plus de... Je peux garder la chemise 15 jours de suite, il n'y a pas de problème, ça sera un autre phénomène qui m'en fera changer. Donc, aujourd'hui, on met les mains sur une plaque, et c'est un capteur numérique qui nous permet d'arriver directement sur l'écran. Et grâce à cet écran et à tous les filtres qu'on est capable de mettre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir faire des zooms, on va pouvoir faire des grossissements, on va pouvoir mettre l'énergie en 3D, on va pouvoir mettre l'énergie dans toutes ces phases, qui va nous indiquer le GPS de la correction thérapeutique. Parce qu'en fait, la sécurité que l'on a avec ce genre d'outils, c'est surtout de savoir... Alors, on est très curieux, on est toujours attiré par cette curiosité de savoir et qu'est-ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Oui, ça occupe l'esprit de beaucoup de gens. D'accord. Ouais. Mais nous, on est surtout là pour comprendre qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Quels sont les potentiels qu'on a ?
Voilà, le potentiel qu'on a, par où il faut passer au départ, parce que quand on a une photo, on a plein de choses, hein, on peut en parler pendant des heures, et du reste, il y a une association qui s'appelle AICA, Association Internationale de Képhrénothérapie, qui a vu le jour il y a plus de 20 ans, où j'enseigne des cours, où j'explique depuis 20 ans, 25 ans à des thérapeutes, comment on peut découvrir une pathologie qui est sous-jacente, comment on peut vérifier une pathologie et surtout comment on peut vérifier l'enclenchement de sa correction. Avant même qu'elle se manifeste. Avant même qu'elle se manifeste. Parce que là, au niveau de la photographie, on peut voir par exemple que, ici, tu me montrais quelque chose, il y a une sorte de couronne fermée là. Une couronne fermée. Qui n'est pas la même, on voit que ça n'a pas le même motif que ici, le reste. Que là, c'est pas pareil. Voilà. Donc là, il y a quelque chose apparemment qui présage d'un souci peut-être futur, bien sûr, qui n'est pas encore manifesté par l'organe lui-même. Exactement. Hein. Voilà. En fait, si vous voulez, toute cette zone-là, ça correspond au rein, à la vessie. Pour que ce soit joli, il faut que ce soit ouvert, il ne faut surtout pas que ce soit introversé. Donc en fait, c'est tout simplement une charge négative électrique. Donc cette charge négative électrique va avoir un développement. Elle va avoir un développement sur la pathologie. Il y a quelque chose qui est bloqué quelque part et qui tourne par rond. Est-ce qu'on peut voir à peu près le prédiagnostic là, ce qui correspond à l'orteil gauche, le cinquième orteil gauche, voilà, et là, ça présage de... Ben, ça présente une problématique au niveau de la prostate. Prostatique, voilà. Ok, d'accord. Donc c'est une dégénérescence, et puis bon, alors c'est vrai, on va dire c'est facile, parce que les hommes ont des problèmes de prostate, il y a c'est presque systématique. C'est presque systématique, en fonction de l'âge. Sauf que puis, là, si tu le vois avant que les analyses... On peut arriver à apporter des éléments de correction. Alors, bien sûr que la correction n'est pas définitive, bien sûr qu'il va falloir continuer à entretenir et continuer à faire des examens, notamment les PSA, parce que c'est normal, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Par contre, on est capable, quand un homme avertit, on dit toujours ça en vaut deux, et bien quand un organe est averti, ben il en vaut quatre ou cinq, c'est-à-dire qu'on peut on peut retarder un maximum l'expression finale qui se passera. Voir l'annuler si c'est pris à temps. Voir si c'est pris à temps, l'annuler et la mettre complètement de côté pour permettre aux gens de vivre mieux. Parce qu'en fait, nous, notre grand secret, c'est ça, c'est d'apporter des éléments constructifs qui vont permettre aux gens d'aller mieux. Donc là, on peut avoir une espèce de map-monde qui donne l'expression, en fait, cachée et non encore révélée de certaines pathologies qui pourraient éventuellement... C'est des potentiels, autant positifs que négatifs. Bien sûr. Mais, et là, donc c'est cette lecture, on va dire, dans l'avenir, qui peut intéresser les personnes, Bien sûr. Concerne leur santé. Alors, moi, une première chose qui me saute tout de suite aux yeux, j'avais une théorie qui est pas nouvelle, hein, qui date depuis longtemps. Je me suis toujours dit lorsque je voyais, tu sais, les peintures rupestres dans les avec les bains négatifs, j'ai toujours posé la question et les anthropologues m'ont dit stupidement, parce que je n'y crois pas alors du tout, et là ça n'engage que moi, mais je le dis, hein, parce que j'ai un positionnement qui est clair à ce sujet. Je te jure que c'est vrai, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, la position officielle, et c'est pas n'importe qui, de Yves Coppens, les couvreurs de Lucie, pas n'importe qui non plus. Qui nous a expliqué à travers une vidéo, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais qui dit c'est ce qui fait la différence entre un primate et l'être humain. Le primate aurait plongé les mains dans la peinture, aurait fait des mains positives, et là, une main négative, ça montre la créativité, le fait d'être quelque chose de compliqué, de faire le liant et de saupoudrer comme ça. Et moi, j'ai l'impression que ça ressemble vachement à ces photographies-là, avec différentes couleurs, un peu comme si... coincé par le langage qui n'était pas encore développé, par pictural, disait voilà comment moi je te vois, quand je te regarde. Que penses-tu de cette théorie? Alors, c'est la mienne. Ouais, j'ai pas trouvé d'équivalent. Non, c'est très intéressant, sauf que par rapport à notre façon, nous, d'interpréter les images, on travaille beaucoup avec énormément de vétérinaires, parce que la grande différence entre l'homme et l'animal, que ce soit chez un chat et autres, c'est de pouvoir s'exprimer, comme tu disais. Par contre, lorsque l'on fait les pattes d'un chien ou d'un chat, il ne s'exprime pas, mais on peut, à travers son image, exprimer la pathologie qu'il y a dessous. Ah. Et ça, c'est redoutable. Ah. C'est redoutable parce que c'est une arme fabuleuse pour les vétos. Moi, je travaille avec les plus grands vétos en France. Du reste, on est allé avec l'un des plus grands soigner les éléphants au Cambodge.
parce que ces pauvres bestioles avaient la tuberculose, et que la tuberculose, c'est non seulement transmissible d'un éléphant à un autre, mais c'est surtout mortel. Et donc l'année dernière, on a été invité par une grande chaîne publique, donc on verra certainement dans les mois à venir l'émission qu'on a tournée en direct au Cambodge l'année dernière au mois d'avril. Donc on nous verra. Quelle chaîne ? Sur une chaîne nationale, grande chaîne. On peut le dire, hein, si tu le sais. C'est sur la 6. Ah, sur M6. Voilà. Ah bah voilà. Donc bientôt voilà. Sur M6. Donc bientôt sur la 6, on va pouvoir voir ce qu'on est capable de faire. D'une part avec les vétérinaires qui étaient là, puisqu'il y avait deux vétérinaires très 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 compétents. Et puis, avec notre petite pyramide, parce que la pyramide est petite, et quand on a touché le pachyderme qui faisait plusieurs tonnes, on s'est rendu compte, on ne sait plus qui était le plus petit et le plus grand des deux. Parce qu'on a réussi à immobiliser ce pachyderme, donc les vétérinaires ont pu faire des prises de sang, et les prises de sang chez les éléphants, ça se fait dans les oreilles. Ce ne sont pas des éléphants attachés, ce sont des éléphants qui, à l'origine, étaient au départ au travail, qui ont été rachetés par des particuliers et qui les ont rendus à la vie sauvage. D'accord. Donc réhabilité. Un peu réhabilité, mais toujours avec une crainte d'y retourner, malgré tout. Parce qu'on dit qu'un éléphant a beaucoup de mémoire, c'est vrai. Donc ils sont tellement heureux maintenant qu'ils n'ont surtout pas envie qu'on les attrape et qu'on les remette au boulot. Donc ils ont beaucoup de mémoire. On les comprend. Ouais. Donc on a réussi à un scoop, et vous verrez sur cette chaîne sur M6, bientôt le scoop où il y a un éléphant qui bouge plus, qui permet de pouvoir faire toutes les analyses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucun des éléphants que l'on a vus n'était atteint de la tuberculose. On pourrait surnommer l'Indiana Jones des éléphants, hein, pour le coup. Ouais. Parce que tu étais vraiment en expédition, c'est pas... Ah, on était en expédition, on était dans la brousse. Moi qui ne marche pas beaucoup... parce que je suis surtout assis sur une chaise ou au volant de ma voiture, j'ai fait beaucoup d'efforts. et vous verrez... Ta vie sédentaire, il a fallu... Ça a été terrible, parce qu'on m'a fait cavaler dans des endroits, mais pas possible. On m'a mis dans l'eau, enfin je veux dire, il s'est passé tout un tas de choses ahurissantes. La chance d'être protégé par mon fils, parce que mon fils était là pour s'occuper de son papa, et encore heureux que lui est sportif et jeune, parce que moi sinon j'y serais resté au fond de l'eau, j'aurais pas pu m'en sortir. Mais bon, ça a été passionnant. Donc, tous les animaux, que ce soit le vétérinaire du coin qui a un problème avec un chat, avec un chien, etc., le fait de pouvoir poser ses papates sur l'appareil et de pouvoir obtenir un bilan, alors le vétérinaire va poser un diagnostic. Quand on n'est pas docteur, que ce soit en médecine ou en médecine humaine ou médecine animalière, on pose un bilan. Voilà. C'est une terminologie, mais c'est quand même très intéressant de savoir que le chat X a une faiblesse de rein, que le chien Y a un problème de transit intestinal, même si les propriétaires ne s'en sont pas rendus compte. Dans le comportement d'animal, il y a déjà des signes cliniques qui sont très visibles pour le professionnel, qui va dire bah oui, c'est vrai, quand il a un foie un peu plus gros, quand on le touche là, il réagit. Il y a confirmation. Il y a toujours une confirmation clinique de ce que l'on pose au niveau de l'image. Donc c'est vraiment un atout extraordinaire que de faire l'image d'un chien ou d'un chat. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de ça parce que c'est pas vieux. Hein. Non seulement c'est pas vieux, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'animal, lui, ne peut pas tricher, n'a pas de mental comme nous. Alors il n'a pas d'effet placebo déjà, il n'y a pas d'effet nocebo non plus, parce qu'il faut quand même les mettre en équilibre tous les deux. Par contre, il a envie d'exprimer quelque chose, mais bien sûr que la parole ne vient pas. C'est au thérapeute, et c'est là où on voit le talent du thérapeute, c'est que avec ses palpations, avec ses interrogations qu'il se fait, arrive à un diagnostic 99 fois sur 100 juste. La seule chose que l'on lui apporte, nous, c'est une vitesse d'exécution de son diagnostic. Parce que dans certains cas, il est obligé de s'occuper de l'animal pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, etc. J'ai envie de dire, Guy, non seulement une vitesse, mais aussi une profondeur. Une profondeur et surtout une interaction entre l'expression même
de la pathologie de l'animal, et puis l'interaction de ce qui est sous-jacent, qui va forcément, je pense au sida du chat, je pense au coryza du chat, je pense à toutes ces pathologies qui sont connues et reconnues, soit les maladies auto-immunes comme la chivée du chat, ça peut aussi toucher d'autres organes, et là, c'est vachement sensible, parce que il faut aller chercher plus profond où ça va commencer à mal se passer, et puis toucher aussi, bien sûr, la vie de l'animal. Donc, le sachant, ils ont toute une armada de corrections thérapeutiques qui leur permettent de pouvoir apporter et éviter le développement pathologique. Alors, permets-moi d'être un peu l'avocat du diable, parce que c'est aussi, je suis là pour lancer le poil à gratter, mais tu n'es pas thérapeute, tu es chercheur-trouveur, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Donc tu travailles en corrélation et en étroite collaboration avec les thérapeutes qui derrière utilisent tes appareils. Donc il y a presque, je veux dire, un tandem où eux t'apprennent un peu de leur savoir comment eux fonctionnent au niveau des diagnostics ou des bilans, pré-bilans qu'ils font, et toi à utiliser l'appareil où tu le peaufines pour que leur housse devienne un outil de précision. Et dans cette histoire, est-ce qu'il n'y a pas deux mondes qui se marchent les plates-bandes dessus sans vraiment se connaître? Il y a le chercheur face au thérapeute. Comment se passe la relation? Elle est harmonieuse? Alors, il y a plusieurs étapes dans les relations que l'on a avec les gens. Déjà, c'est de leur démontrer que ce que l'on dit est vrai. Déjà, à partir du moment où on prend... Il faut déjà les convaincre. Voilà, où on prend un patient lambda, que ce soit chien, chat ou humain, on ne pose aucune question, on leur dit de mettre les mains sur l'appareil, et là, on va leur raconter leur histoire. À partir du moment où on leur raconte leur histoire, il n'y a plus de discussion. Déjà, parce que la confiance est établie, parce que tout ce qu'on a dit, c'est vrai, parce que 9 fois sur 10, quand on fait des démonstrations, même si le thérapeute connaît son patient depuis 10 ans, 5 ans, 20 ans, etc., nous, on arrive derrière et on va découvrir des choses que le thérapeute n'a jamais vues. Donc déjà, qui vont être vérifiées par la suite en plus. C'est non seulement des choses que tu poses, bien mais sûr, qui sont avec vérifiables. Voilà. Complètement vérifiables. Donc le thérapeute se dit, oh là là, mon Dieu, avec un outil pareil, je vais gagner du temps. Je vais gagner en notoriété, parce que faut pas rêver non plus. Mais il devient un meilleur grâce à un outil. Voilà, c'est important pour mais eux. Mais lui aussi. Hein, va et agir. Puis en efficacité thérapeutique, parce que bien sûr, j'ai pas vu ça, j'ai donc pas pu le traiter. Je le vois, donc je peux le traiter. Donc automatiquement, il se passe des choses intéressantes. Alors, il y a toujours au départ un petit sondage que l'on fait avec les gens, etc. Au jour d'aujourd'hui. On a dérangé beaucoup de gens parce qu'on est capable de faire des images, etc. Moi-même, personnellement, j'ai dérangé beaucoup dans les formations que je fais, et il y a régulièrement des gens qui essayent de faire des formations qui ressemblent à celles que j'ai données. La seule différence, c'est que... Alors, c'est ne faut surtout pas le prendre pour de la prétention, mais il vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints. C'est ce qu'on dit. Et c'est ce que je me rends compte qui est vrai. Parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec les plus grands médecins du monde. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des chirurgiens, avec des vétérinaires de renom. On est sur un scoop bientôt extraordinaire sur... une nouvelle façon de corriger et d'utiliser notre machine, parce que je l'ai conçue pour qu'elle fasse certaines choses. Je parle pas de la photo, je parle de l'appareil thérapeutique. Parce qu'en fait, la photo, c'est seulement un élément de bilan. Oui. Ou diagnostic, ou le GPS de la correction thérapeutique. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est la pyramide. Alors, elle avait un nom que j'aimais pas. Elle a été souvent appelée chroma acupuncture. Chroma parce qu'elle fait de la lumière, acupuncture parce qu'elle fait des points d'acupuncture. Je trouve ça d'un ridicule monstrueux. Pour moi, elle a une forme pyramidale. C'est une pyramide. On le voit sur notre logo. On le voit sur notre logo. On le voit aussi sur le logo de l'AICA, Association Internationale de Képhrénothérapie. On voit ici sur notre logo que c'est une pyramide. Elle est à gauche. Comme ici. Voilà. Donc, moi, je l'appelle la pyramide parce que, alors, c'est un appareil qui est breveté, qui est protégé, qui est unique parce que sa fonction, c'est un d'envoyer une charge électrique parce qu'on est un être humain électrique. Faut pas nous imaginer qu'on est autre chose. On est un être humain électrique. Deux, ça envoie des ondes de forme et c'est pour ça qu'elle a cette forme pyramidale. C'est pas pour autre chose.
Trois, elle envoie des champs magnétiques rectrogyres, donc qui tournent de gauche à droite et non pas à l'envers, parce que notre Terre, elle tourne dans un certain sens. C'est le sens naturel de la... Imagine-toi qu'on se mette à la faire tourner dans l'autre sens, ça mettrait un peu la panique. Je crois qu'on ne serait pas forcément bien, si ça arrivait. Et puis quatre, la chromatothérapie que l'on a voulu insérer pour avoir des sources complémentaires énergétiques. Donc on a quatre sources d'énergie qui s'additionnent, et notre façon de travailler, c'est de s'appuyer alors sur une base de la médecine ayurvédique qui est encore plus ancienne que la médecine chinoise. Les Chinois, c'est très bien ce qu'ils font, sauf qu'ils en sont encore aux aiguilles. Les aiguilles, quand on voit qu'il y a une invasion et un percement du corps éthérique, moi, c'est pas mon truc. C'est pas dans ma conception des choses. Donc la formation chinoise, oui, mais pour un Chinois. Nous, on est en Occident, on n'a pas la même alimentation, on n'a pas la même hygiène de vie, on n'a pas la même façon de concevoir les choses, on n'a pas la même éducation. Donc il faut adapter une méthode qui nous corresponde, et pas la méthode qui correspond à des gens qui ont une culture complètement différente, oui. Qui est très efficace en Chine, mais beaucoup moins chez nous. Adapté pour nous. Oui. Parce que déjà la pharmacopée que l'on trouve de la médecine chinoise en France, c'est pas du tout la même que l'on trouve en Chine. Il y a une grande, grande différence. Donc, on ne peut pas donner des formations, des informations par rapport à ça qui ne sont pas adaptables chez nous. Donc, il faut rester très, très, très basique par rapport à nous. Je comprends. Donc, voilà. Donc, nous, notre rôle, c'est ça. Et puis, la cinquième chose que fait cette machine, c'est qu'elle informe l'eau. Alors, on en parlera aussi tout à l'heure, parce que l'information de la structure de l'H2O, c'est quand même important. Il y a des gens célèbres. D'eau, bien sûr, il y a des gens célèbres qui... Bon, il y en a un qui est décédé, qui s'appelle Jacques Benveniste, qui nous a quittés. Mais par contre, il y a le professeur Luc Montagnier qui reprendrait les travaux de Jacques Benveniste au niveau de la mémoire de l'eau. Le découvreur du HIV, je crois. Hein. Voilà, c'est celui qui a été prix Nobel, quand même. Pour qu'un prix Nobel se mette à regarder l'eau, c'est quand même très intéressant. Et c'est là, on a beaucoup de chance qu'il y ait des gens comme ça qui... Il fallait pas moins que M. Montagnier pour prendre la suite des motos, quoi. Je pense que voilà, c'était voilà, il est là en chair et en os. Il est dans le sud, hein, il est pas monté à Lille non plus. Hein. Il est resté où il fait beau. Les grands esprits se rencontrent, hein, du nord et ben, du sud comme toi. Il y a un aimant quelque part qui se fait et qui polarise toutes les charges électriques. Hein, il faut absolument qu'on y aille. Cette pyramide. Et puis là, on travaille encore sur un élément intéressant, c'est que cette pyramide fait plein de choses. Et là, je peux pas le dire aujourd'hui, mais on est en train de la faire évoluer d'une façon hallucinante, parce que dans quelques semaines, je parle de quelques semaines, on va pouvoir adjoindre quelque chose en plus sur l'utilisation de cette merveilleuse machine. C'est-à-dire qu'elle va encore être beaucoup plus performante, et on va encore pouvoir donner des formations aux thérapeutes qu'ils n'ont jamais eues par rapport à ça, parce que on adjoint une arme supplémentaire à l'utilisation de cette machine. Parce que pour nous, la pathologie, c'est un ennemi. Quelle qu'elle soit, émotionnelle, physiologique, fonctionnelle, c'est quelqu'un que l'on doit décimer. Voilà. Parce que c'est quelqu'un de vivant, quelque part, puisque sa vie va entraîner, dans le pire des cas, la mort de celui sur lequel elle s'est installée. Pour nous, c'est un ennemi. Et donc, on doit l'attaquer comme un ennemi, avec une organisation bien particulière, avec une orientation bien spécifique, et puis avec un objectif. Une stratégie. Voilà. Oui, c'est presque militaire, là, dans l'histoire. Hein. Ben, c'est un peu ça. On a un ennemi, on a une machine fabuleuse qui va pouvoir aller décimer, et puis attaquer, et permettre à l'organisme de pouvoir récupérer son autodéfense. Parce que il faut jamais oublier que toute thérapie confondue, quelle qu'elle soit, on est, nous, porteurs de la correction thérapeutique de tout ce qu'on peut imaginer. Sauf que c'est enfoui quelque part, par plein de raisons. On ne va pas ici développer les raisons, mais il y a tout un tas d'éléments qui prouvent que l'être humain est capable de tout. On a déjà un instinct de survie, mais on n'a des fois pas les moyens parce que c'est trop enfoui. Et nous, entre l'image et notre appareil, on va redonner le potentiel normal aux gens, et c'est leur potentiel qui va faire la correction.
Oui, nous, on est seulement vecteurs. Oui, oui. Voilà. Donc oui, tu réveilles cet instinct qu'on a en nous, d'auto-guérison, entre guillemets, réveiller cette capacité. Là, on rêve un petit peu, on est un peu dans Stargate, où on voyait en fait les Gouaould qui se remettaient dans leur sarcophage et se régénéraient. Exactement. Donc on aurait cette capacité, on a bien ce sarcophage sûr. En nous. On l'a en nous. Tout le monde l'a, au grand leurre de la médecine traditionnelle. Conventionnelle, qui est là pour vous donner des médicaments. Du reste, il y a un grand scandale qui est arrivé, là, il y a très peu de temps, sur le non-remboursement de l'homéopathie. Alors moi, je ne suis pas médecin, mais je trouve quand même qu'il est préférable de rembourser des petites gélules, même si... Alors, les détracteurs vont dire qu'il n'y a pas eu de preuves scientifiques sur l'homéopathie. Ah mais n'empêche que ça marche. Ouais. Sauf que ça marche. Mmh. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de preuves scientifiques. Peut-être que les gens n'ont pas voulu investir dans la recherche par rapport à ça. Et moi, je vais vous raconter une anecdote toute simple. C'est que j'ai un petit chien qui a chopé un rhume. Et puis, un rhume chez un chien, il a le nez qui coule, il a les yeux qui pleurent, il n'est pas bien, il tousse, etc. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas le temps de lui faire des points d'acupuncture parce qu'ils ont aussi des méridiens d'acupuncture. Par contre, je vais lui donner une petite dose, parce que j'en ai sous la main, d'ocydocoxinum. Et bien écoutez, le lendemain matin, le chien, il avait plus le nez qui coulait, il avait plus les yeux qui pleuraient, il jouait, il était bien, il était guéri. Alors je sais pas si mon chien a eu un effet placebo, parce que qu'il a pas de mental. Donc dans mon intention, je lui ai donné l'intention de se corriger tout seul. Pas du tout, c'est l'ocydocoxinum qui a été efficace pour mon chien. Donc, c'est pas toxique. La médecine allopathique a tué des gens et continuera à tuer des gens. Et ça, il y a eu tellement de scandales qui sont sortis, que ce soit, je dirais pas les noms des médicaments, l'histoire a prouvé qu'il y a eu des erreurs. Mais voilà. Par contre, on n'a jamais entendu parler qu'un homéopathe ait conduit la mort en donnant des gélules d'homéopathie à quelqu'un. Ça n'a jamais existé. Tu fais bien de le dire. Ouais. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses à leur juste place. Il y a un truc intéressant que j'ai entendu tout à l'heure, que tu disais, concernant donc le pouvoir capitaliste par rapport à toute la médecine et toutes les recherches qui ne sont pas faites, tout ce qui l'englobe. C'est dommage que au lieu de s'unir et de prendre le bon, parce que la médecine allopathique a du très bon, la pénicilline ça a fait des miracles. Bien sûr, évidemment. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans leur créneau et ils ne veulent absolument pas regarder à droite ou à gauche. Ils sont directement impliqués avec des œillères très fermées, alors qu'il suffirait de les ouvrir un peu pour que tout le monde puisse s'entendre. Et moi, ce soir, je fais un appel solennel, que tous les gens de bonne volonté puissent s'unir dans le domaine de la correction thérapeutique, avec toutes les idées, qu'elles soient allopathiques, homéopathiques, que ce soit de la phyto, que ce soit n'importe quelle technologie, mais pour le seul objectif que l'on a, c'est aider les gens. Qu'ils ne souffrent pas, qu'ils souffrent moins, et qu'ils vivent mieux. C'est un langage simple, et donc je fais appel au plus grand nombre. Vous aurez mon Facebook, vous demandez à vous inscrire, et puis il n'y a pas de problème. Normalement, il est tagué dans la description. Il y a les liens pour les deux sites, que ce soit à Ike ou à l'énergie électro-acupuncture aussi. On veut le voir encore une fois. On peut regarder là ici les deux sites, que ce soit énergie électro-acupuncture ou Aika ici. Vous verrez, en fait, les liens sont dans la description, que ce soit sur Facebook et YouTube, comme à l'accoutumée sur des studios. Et au moins, ça vous mâche le travail pour aider. Je salue au passage Aline Peugeot qui est là. On parlait de toi justement hors caméra. Aline, bonsoir à toi. Peut-être voir aussi, on précise la date d'Aline Peugeot pour son stage se précise. Et ça ne sera pas au mois de septembre, mais au mois d'octobre. Vous avez proposé septembre, octobre, novembre. Apparemment, il semblerait que ce soit le premier week-end d'octobre que cela va se faire. On attend encore confirmation de la salle. Et peut-être que Guichard viendra aussi au stage s'il est libre. Bah écoutez, voilà. Je vais faire en sorte de noter cette date parce que j'ai été très...
très impressionné par ce que tu m'as dit de... Aline Peugeot. D'Aline. Et j'ai vraiment envie de la rencontrer parce que ça peut être passionnant de faire son image, déjà, de pouvoir se rendre compte comment les empreintes ont gardé la mémoire, parce que il y a une grosse partie de la mémoire au niveau de... Parcours très très particulier, en effet. Ouais. Des images. Et puis surtout, de pouvoir éventuellement lui donner des directions pour demain. Parce que c'est aussi notre grand secret, c'est ça, c'est de pouvoir aider les gens à devenir demain. Hein, oui, que dans l'histoire, vaut mieux prévenir que guérir. Là, ça n'a jamais été aussi vrai. Ça n'a jamais été aussi vrai. Qu'avec ce procédé. Hein. Et c'est toujours plus simple. Et puis, dans toutes les formations que je donne, j'explique bien que il y a un grand respect de l'humain qu'on doit avoir avant tout, de son intelligence, de ses performances, de sa pathologie. Il faut respecter, même si c'est un ennemi. Il faut le respecter en tant que tel. Et que, parce qu'il y a toujours quelque chose à nous révéler quand même. Il y a toujours une information qui est là, il y a toujours une raison, une pathologie qui s'enclenche. Elle n'est pas là pour nous enquiquiner par hasard. Hein. Elle a une origine, cette pathologie, elle a un méridien qui a lâché, elle a une émotion qui a été trop forte, qui n'a pas été digérée. Je veux dire, c'est une multitude de facettes, et que si on n'est pas capable de découvrir la facette qui est à l'origine du problème, eh ben, on va se confronté à des éléments qui vont être destructeurs. Nous, notre grand secret, c'est la petite virgule qui nous dit « Ah bah tiens, l'information, elle est passée par là. » Et comme elle est passée par là, ben moi, je vais prendre le même chemin, puis je vais la rattraper. Et une fois que je l'ai rattrapée, j'ai dit au corps « Voilà, maintenant, je te donne la possibilité de faire ton boulot. Tu ne l'as pas fait, et ben maintenant, regarde, tu dois le faire. » Voilà, là, on rejoint vraiment le serment d'Hippocrate et pas de Socrate, et en évitant d'être hypocrite, hein, bah, comme c'est. C'est très complexe, le serment d'Hippocrate. C'est très complexe. Voilà. On pourrait même faire une émission là-dessus, de savoir comment ça s'est transformé historiquement et comment ça a vrillé de cette manière. Alors, bien sûr. Pour faire simple, depuis le début de cette émission, on s'aperçoit que notre vision, en tout cas, et les outils qu'on a, je faisais un parallèle, on en parlait hors caméra, quand on écoute la radio, si on se cache sur une fréquence, on ne peut pas prétendre entendre toute la FM, toutes les stations qui exactement, se passent. Voilà. Exactement. Donc, ici, là, alors, je te laisse dire le nom parce que... La képhrénothérapie. Je suis désolé, pour moi, c'est imprononçable. Képhrénothérapeute. Voilà. La képhrénothérapie. Mais je te promets qu'à la fin de l'émission, tu sauras dire. Et donc, en fait, ce procédé, cette méthodologie permet d'un coup, en fait, c'est comme si on était capable d'entendre toutes les stations de la FM en même temps. Exactement. C'est là où ça élargit vraiment le spectre, parce que tu as fait des parallèles tout à l'heure. C'est vrai qu'on voit l'arc-en-ciel, mais on ne voit pas l'infrarouge et les ultraviolets qui sont dans les deux extrêmes. L'arc-en-ciel, c'est qu'une partie du spectre visible. Et 400 nanomètres, tout simplement. 400 nanomètres, okay. C'est notre perception rétinienne. Et toi, tu avais précisé qu'on était de 1 nanomètre. De 1 à 2000. À 2000, c'est énorme. Voilà. Donc on balaye large. Hein. C'est multiplié par 5. Alors justement, par rapport à ça, en étant prévenir, vaut mieux prévenir que guérir, dans cette histoire, est-ce que de ton expérience et des thérapeutes qui ont pu expérimenter en fait cette imagerie, photographie... Il faut quand même savoir qu'il y a plus de 500 thérapeutes qui utilisent ma machine. D'accord, déjà. Voilà. Donc, une grande partie qui a été donc prise et qui s'est regroupée dans l'Association internationale de képhrénothérapie. Donc, ça, c'est un élément important. Et puis, d'autres qui utilisent la méthode dans la mesure où elle leur convient et qui n'ont plus besoin, soit qui n'ont plus besoin, soit qui n'ont pas envie d'optimiser leurs connaissances. Ils ont surtout envie d'optimiser leur portefeuille. Puisque, en général, moi, je conseille des séances à 30, 40, 50 euros, mais il y a dans le sud de la France et au-delà du sud de la France, des gens qui sont capables de prendre de 120, 150, 160 euros une séance. Je trouve ça complètement inique. C'est un véritable scandale, parce que les gens qui sont malades, ils peuvent donc pas produire de finances derrière. Et puis, c'est des gens qui donnent la bonne parole, quoi. Donc, je suis scandalisé par ça. Quand on est malade, on ne peut pas travailler. Si on ne peut pas travailler, on ne peut pas gagner sa vie. Si on ne gagne pas sa vie, on ne peut pas payer 160 euros la séance. C'est une question qui me gêne énormément. Donc il y a une éthique en plus. Moi, je trouve qu'il faut une éthique. Elle n'y est pas. Souvent, elle n'y est pas tout le temps. Il y a des gens qui pensent qu'à leur portefeuille, il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas créé cette méthode pour ça.
Moi, si j'ai un thérapeute qui m'appelle pour corriger une image, parce que c'est comme ça que ça marche, souvent ils font des photos, ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a, ils m'envoient l'image, et avec les moyens de communication d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je reçois la photo, je fais l'interprétation en direct, et à ce moment-là, le thérapeute a le GPS de la correction thérapeutique d'une façon instantanée. Ça m'arrive et je suis très content que les gens me disent, il faut combien de séances? J'interviens en disant, il y a peut-être une séance que vous pouvez faire régler, mais pourquoi faire régler forcément toutes les séances? Il y a toujours un moyen. Ça va très vite. Une correction thérapeutique avec la machine, quand c'est bien fait, on va passer 5 minutes maximum de correction thérapeutique par séance. Donc c'est rapide. Très rapide. 5 minutes. 160 euros, on est pressé, ça me paraît fou, moi. Mais bon, mais il y en a qui le font. Alors, je ne citerai pas les noms, mais ils sont dans le sud de la France, voire au-delà du sud de la France. C'est des loyers sont plus chers, on va dire ça. Ça doit être ça. On va peut-être mettre ça là-dessus. Voilà, certainement. Alors, hors caméra, on parlait aussi des tests de QI. Aujourd'hui, on développe beaucoup le QI. Tu disais, ta position dans l'état d'esprit que tu es me plaît beaucoup, dans le sens où tu parles de QI, mais tu parles aussi de QE. Et ça, c'est autre chose. Est-ce que tu peux développer, en parler aussi? Alors, c'est un rapport avec ce que tu viens de dire. Bien sûr. C'est un raccord. Le QI, c'est un calcul mathématique. Alors, du reste, il faut quand même rappeler que certains chercheurs, donc on va les appeler certains trouveurs, viennent de démontrer que la base mathématique que l'on utilisait n'était pas bonne, qu'il y avait une autre façon d'aborder les mathématiques. Alors ça va faire une révolution de calcul énorme dans les années à venir, mais je pense qu'ils sont vraiment sur la bonne voie. Tu prévois que ça va révolutionner notre vision du monde? Ça va révolutionner la partie scientifique du monde. On va enfin exposer les bouchons peut-être qui nous limitaient. Qui vont permettre au plus grand nombre de comprendre. Rien n'est plus complexe qu'une adéquation mathématique. D'accord? Alors en fait, on va noyer les gens sur des calculs bien compliqués et pour qu'arriver à la fin, qu'ils ne comprennent plus rien. Donc la nouvelle façon de comprendre les mathématiques, c'est surtout celle de la compréhension au plus grand nombre. Plus les gens comprendront ce qui leur arrive, plus les gens pourront prévoir ce qui leur arrivera, et plus les gens pourront corriger pour éviter d'aller à la catastrophe. Ou comment expliquer un complexe simple de manière compréhensible et accessible à tous. Voilà. Pour le coup. Alors le QE, je trouve que c'est une porte d'entrée fabuleuse. Alors maintenant, dans tous les... Alors on peut déjà dire QI c'est quotient intellectuel, QE c'est... Quotient émotionnel. Quotient émotionnel. Voilà. Et ça on ne le développe pas. Pour toi c'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre et puis c'est surtout le parent qui est à l'origine de la problématique de la pathologie. Oui, parce que les pathologies sont émotionnelles. Toute pathologie qui se déclenche dans un organisme a une orientation du point de départ. C'est une émotion trop forte, non gérée. Cette émotion trop forte a provoqué une acidose. L'acidose a provoqué une oxydation cellulaire. L'oxydation cellulaire a provoqué la pathologie. Je veux dire, c'est simple comme bonjour. Il y a un effet domino derrière. Bien sûr. Alors, tant qu'on ne prendra pas en compte le QE des gens, on n'arrivera pas déjà à savoir à qui on a affaire. Parce que des gens menteurs, on en voit énormément sur notre planète. Et moi, j'en ai connu un nombre inconsidérable. Mais bon, à mon âge maintenant, on commence à être un peu plus objectif là-dessus. T'arrives à repérer comme un sniper. Ouais. Et puis, il y a des formules très particulières en PNL, etc. Oui, des gens qui utilisent, à lire, qui utilisent le langage à des buts très mercantiles. Il faut être très prudent par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on aura bien compris le quotient émotionnel des gens, on va voir leur zone de faiblesse. Et comme on verra leur zone de faiblesse pré-programmée, on pourra apporter automatiquement une réponse de correction. C'est surtout ça. Et que le quotient émotionnel va donner l'amplitude, va donner l'impulsion aux gens de pouvoir se prendre en charge. Et s'ils ont l'impulsion de se prendre en charge, automatiquement, la pathologie va reculer. Bon, alors ça, je pense que c'est de plus en plus accepté. Bien sûr. Parce qu'on va... C'est juste qu'il y a une sorte de maladresse, comme si on était un peu atrophié de dire... Honteux. On sait tout... Oui, presque, oui. C'est honteux. Chose que on a du mal à dire « je t'aime », on a du mal à dire qu'on aime ci, qu'on n'aime pas ça, quoi, etc. Sinon, on passe pour des bisounours, c'est ça le problème? Le problème, c'est qu'on passe pour des bisounours, et puis on passe pour des gens non évolués, puisque la relation humaine tente à aller que vers la machinerie. Non, si l'homme crée une machine, c'est pour venir au service de l'homme.
C'est pas pour le dominer ou le remplacer. C'est pas le but. C'est pas le but. Là, il y a toujours l'interprétation, comme tu le dis, hein, tu l'as précisé tout à l'heure, il y a des personnes qui te renvoient des photographies de ce type-là pour bien aider sûr. À l'interprétation, puisque en tant que créateur de la machine et du oui. procédé, tu arrives à voir vraiment l'amélioration. J'arrive à bien me débrouiller avec les images. Après, la suite, tu le laisses au thérapeute, justement, qui va je suis pas thérapeute. Je leur donne le GPS, je leur liste les méridiens qui pour moi sont en état d'appel, d'appel au secours, parce qu'un méridien qui ne fonctionne pas quelque part, il appelle au secours, puisque si on le voit sur l'image, c'est qu'il y a une conduction électrique. Donc si la conduction électrique, elle n'est pas bonne, donnez-moi vite de l'énergie, parce que j'en ai plus assez pour me débrouiller tout seul. Alors c'est marrant qu'aujourd'hui, à cette ère industrielle, où finalement il y a eu l'explosion industrielle à Détroit avec Henry Ford qui nous a... Il y a eu cette révolution, bien puis aujourd'hui l'informatique, la révolution informatique, une autre révolution tout aussi importante avec les portables, avec la téléphonie mobile et l'explosion évidemment d'Internet. Bizarrement, tous ces appareils ont besoin d'énergie, mais la médecine conventionnelle ne reconnaît pas que nous avons aussi de l'énergie encore. C'est pas encore... C'est en train de venir petit à petit. Alors, il suffit pourtant, de regarder... Pourtant, un robot, si j'enlève les piles, il marche plus, le robot. Ah, il marche plus. Donc, si on ne s'alimente plus, si on n'a plus cette énergie qui transforme, on ne fonctionne plus non plus. Donc, alors, il y a un truc sympa, on en parlait tout à l'heure hors antenne, on a évoqué la théorie du jeûne, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, on ne va pas en parler toute la soirée, on va juste ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Il est important, si on prive le corps d'une alimentation momentanée, je ne dis pas d'une grande période, parce que le corps va se boulotter tout seul, il va prendre de l'appétit à se manger des muscles, mais au départ, il va surtout apprendre à vivre avec un apport extérieur beaucoup plus faible. Donc, il va faire le ménage. Et ce fameux ménage, qui peut durer 3 jours, 4 jours, etc., est très intéressant au niveau de la correction thérapeutique. Et puis, le gros du ménage, et c'est ce que tous les gens qui ont fait des jeûnes se sont rendus compte, c'est que quand on mange pas, on est plus intelligent. Alors, pour ceux qui m'ont connu il y a quelques années, j'ai enlevé 35 kilos. Parce que j'ai décidé de devenir intelligent. Donc, Donc tu as décidé de moins manger parce que c'est bon pour la santé. C'est un peu ce que je fais actuellement. En fait, c'est souverain, c'est salvateur. Ça permet vraiment d'avoir une conscience libérée. Et c'est vrai qu'on pense plus vite. On trouve des réponses beaucoup plus rapides. Et puis notre organisme, même si c'est pas très confortable au départ, parce que c'est pas confortable, on a mal au ventre, on a faim, on a une certaine odeur qui est dégagée de notre organisme, qui n'est pas cool. Je veux dire, quand au bout de 3 jours, on sent quelqu'un qui fait un jeûne, à 10 mètres, on le perçoit. La laine, etc. Oui, c'est etc. Vrai, chose... Mais on se désintoxique. Oui. Et on augmente son QE. C'est très drôle. Et quand on augmente son QE, comme par hasard, les pathologies reculent. Si tu devrais me remplacer, parce que là, tu as fait une transition qui est juste du bonheur, vraiment. Juste des questions qui apparaissent. Les méridiens, ok, et les chakras, est-ce qu'ils ne sont pas vus sur votre machine pour l'interrogation? Merci à Yes de poser la question. Alors, la théorie des chakras, c'est une théorie qui part de la partie sous-ventrale et qui monte au niveau de la tête et qui monte le long du méridien du vaisseau conception. Et on l'affecte et on lui donne une interprétation de 1 jusqu'à 7, je crois, avec des couleurs bien différentes et avec des fonctions bien particulières. Et on relie ce chakra en la partie sexuelle, la partie émotionnelle, la partie du non-dit, la partie de la pensée, la partie de tout ce qui englobe le corps. Notre machine ne nous permet pas de visualiser les chakras. Par contre, elle nous permet de voir le potentiel des zones des chakras. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas encore... Parce que, d'une façon purement physique, si je voulais photographier les chakras, c'est pas forcément impossible. Mais déjà, il faudrait que la machine soit beaucoup plus grosse. Donc on pourrait pas la transporter... Elle serait pas praticable, entre guillemets. Et il faudrait mettre toute la partie abdominale et le visage à l'intérieur d'une machine.
Oui, ça impose quand même un minimum de... On envoie 250 kilos, mais là, il faudrait envoyer 2 500 000 kilos. Donc, ce n'est pas possible. Au niveau de la puissance énergétique, ce n'est pas gérable. Par contre, en apprenant la lecture de l'image, on va pouvoir savoir qu'il y a le méridien du vaisseau conception, le méridien du gouverneur, les méridiens couplés, qui vont nous permettre d'aller visualiser d'une façon très simple l'état et le potentiel de chaque, entre parenthèses, chakra. Mais c'est une bonne question parce que c'est comme, on ne nous l'a pas posé, mais je vais y répondre quand même, est-ce que l'on voit l'aura? Est-ce que c'est l'aura que l'on voit sur l'image? Alors moi, je répondrai une chose très simple. Dites-moi ce que c'est que l'aura et je vous dirai si on la voit sur l'image ou pas. Oui, oui, c'est le problème. Qui a commencé, on est un peu dans le principe de l'œuf et la poule, hein, qui a fait en premier. Donc là, on voit une photographie, effectivement, qui a vu vraiment l'aura, et quelle référence on a, sur quoi on se base. Voilà, c'est surtout ça. Moi, le jour où on pourra m'expliquer d'une façon scientifique ce qu'est l'aura, à ce moment-là, je pourrais dire, oui, on la voit, ou non, on la voit pas avec ma machine. Par rapport à ce que tu fais, ouais. Voilà. Alors là, on voit un procédé, on le rappelle encore, et tu n'as pas amené la pyramide, hein. La pyramide, c'est encore autre chose, on peut la trouver. Voilà, la pyramide, c'est l'appareil de correction thérapeutique. Elle est grande, elle fait à peu près cette taille-là. D'accord. Et voilà, c'est une petite pyramide qui fait plein de choses. Et donc, merci pour la transition, parce qu'elle est sympa aussi, tu me renvoies la balle, c'est sympa. c'est dans l'utilisation de la pyramide et de l'information de l'eau. D'accord. Parce que ça, c'est quelque chose de fabuleux. Jacques Benveniste a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai eu la chance de le rencontrer et de passer du temps avec lui. On peut se rendre compte que quand on a fait une dilution maximale, la seule chose qui reste, c'est une fréquence. Donc, comme nous, notre appareil est un appareil qui a à peu près à sa disposition plus de 7 milliards de fréquences différentes, on se rend bien compte, d'une façon très simple, que dans notre organisme, on a moins de 7 milliards de fréquences qui circulent. Donc, dans l'appareil, on peut dire qu'on a compressé l'ensemble des fréquences de l'organisme et qu'on le met à la disposition. Il nous faut un support. On a deux supports. On a le support tactile, de contact, avec un petit stylet qui va trouver le point, en plus qui va mesurer le point, qui va qualifier le point, qui va dire voilà, il y a tant d'énergie sur tel méridien, sur tel point. Le fait qu'il y ait tant d'énergie, ça peut enclencher telle et telle pathologie. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler en interne. Travailler en interne, c'est se dire comment je vais pouvoir passer une information par la peau, mais je voudrais la retrouver à l'intérieur de mon estomac. Parce que dans mon estomac, il va se passer autre chose. À ce moment-là, on va immerger les électrodes de notre machine, on va envoyer une certaine fréquence adaptée par rapport à l'organe que l'on a traité, et à l'intérieur de notre organisme, les choses vont se collaber. Elles vont, puisque c'est le même message, le message externe et le message interne vont se retrouver, ils vont forcément se reconnaître, et à partir du moment où ils vont se reconnaître, ils vont s'additionner, et donc la thérapie sera beaucoup plus efficace. On lance à la limite un leurre qui parle le même langage qu'eux. Exactement. Hein, c'est un peu le principe. On imite, voilà, pour faire... On voit ça, si vous regardez un peu la science-fiction, il y a Star Trek avec les Borg, etc. Et ben c'est, ils avaient tout compris, déjà. Alors, que pensez-vous des résistances des patients à leur guérison? Alors, juste, Yes, pour te répondre, moi, personnellement, après, si Guy veut apporter sa pierre pour autre chose, on parlera aussi à Eva qui dit la nouvelle radiologie. Moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être la radiologie du troisième millénaire, hein, ce qu'on voit ici. C'est le futur, en tout cas. On tend vers ça, et c'est tant mieux. Juste pour revenir donc sur Yes, la résistance aux patients et leur guérison. Oui, effectivement. Alors, Valérie Ménéroux, spécialiste en EFT, qu'on va retrouver la semaine prochaine, notamment, hein, qui va parler, parle de cette façon-là. Donc, elle parle de consolidation une fois que l'EFT est passé, pour expliquer quelquefois que les personnes, quand elles font, en tout cas de l'expérience de ce que j'ai pu filmer avec Valérie Ménéroux à plusieurs reprises, c'est qu'ils disent toujours la douleur ou l'anxiété, l'angoisse qu'ils ont est sur une échelle de 10 est à 8. Après la séance de EFT, descend progressivement à 5, 4, 3. Il faut toujours qu'il reste 1 et 2. En fait, il y a cette capacité de dire, il y a cette croyance interne, on ne peut pas être optimisé à 100%, ça ne peut pas aller. Il faut que ça aille mal quelque part, même un tout petit peu. Donc il reste toujours un côté 1 et l'EFT s'arrête là. On peut arriver à 0, mais ça dépend du patient. Alors ça, c'est la complexité de l'être humain. Parce que
quelque part, au fond des choses, on ne peut être heureux que dans la mesure où on compare notre bonheur par rapport à quelque chose qu'on a perdu. les bénéfices donc, secondaires, parce qu'on est plein, voilà, on est choyé. Hein. Voilà, c'est tout simple. La résistance des gens, dans la mesure où on arrive à percer leur potentiel de QE, on est capable de leur apporter les réponses qu'ils cherchent. Et dans la mesure où ils ont compris les réponses que l'on leur donne, comme par hasard, on est dans l'acceptation thérapeutique. Et quand on est dans la volonté de la correction thérapeutique, c'est exactement le même principe que lorsqu'un thérapeute émet une intention de corriger une pathologie, s'il émet une intention, la correction qu'il va appliquer va être beaucoup plus efficace que s'il n'émet pas d'intention. Parce que dans l'intention qu'il va émettre, il va faire appel à des longueurs d'onde particulières qui vont rentrer en osmose avec la pathologie du patient. Nous, on va seulement être un vecteur parce qu'on a toute une machinerie, une charge électrique, une charge magnétique, des ondes de forme, la lumière et tout, qui va être appelée dans cette zone de dysfonctionnement. Et grâce, d'une part, à l'ouverture du QE du patient, d'autre part, à la volonté de correction du thérapeute et la machine au milieu, automatiquement, on est condamné d'avoir du résultat. Ce sont des vecteurs qui ne font que s'additionner. Bien sûr. C'est toutes les volontés qui vont au service du patient, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, avec une critique assez justifiée sur le fait que, justement, par rapport à d'autres intérêts qui sont plus financiers aujourd'hui, ce n'est pas toujours la préoccupation. Le patient n'est pas forcément au centre d'intérêt aujourd'hui, malheureusement. Là, pour le coup, ça fonctionne en addition. Exactement. Machine, le thérapeute et le patient. C'est le seul objectif que l'on a, nous, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens qu'ils sont eux-mêmes les maîtres de leur correction thérapeutique. Qu'on a seulement mis à leur disposition des outils. Et on leur apprend à s'en servir. D'accord. Tout simplement. Alors là, je vais te poser une question toute bête, mais pour les thérapeutes qui ne sont pas encore, on va dire, intéressés aux thérapies quantiques, hein, qui sont encore dans des thérapies, on va dire, plus traditionnelles, Reiki, etc., hein, pour des personnes, ou pour ceux qui utilisent déjà des machines comme Rionex en thérapie quantique avec les fouets ou autres, s'ils sont intéressés par le procédé que tu proposes pour ajouter dans leur besace un outil supplémentaire de bilan, hein, de voir, etc., comment ça marche? Est-ce que la personne a fait quoi? Elle te téléphone, elle te contacte, on va sur quoi? Sur quel site? Eh bien, vous allez sur le site soit de l'AICA, qui pourra nous transmettre les informations, soit sur le site de AirTech, tout simplement, où il y a des fiches à remplir pour nous demander de venir. Et puis, nous, ce que l'on fait, parce que c'est quand même, pour moi, un élément important, là, on a une nouvelle série d'appareils qui arrivent. Voilà la pyramide. Donc, sauf que la nouvelle va être blanche et noire. Elle va plus représenter le yang et le yin que celle-ci qui était toute noire. Et elle va avoir un potentiel de correction thérapeutique largement augmenté par rapport à celle que l'on voit sur l'image. Nous, ce que l'on aime bien faire, c'est aller chez un thérapeute, faire une image, déjà, pour connaître un petit peu l'historique et à qui on a affaire. Une fois qu'on a fait la photo, soit on laisse au thérapeute de corriger ce que l'on aura découvert avec sa technologie, parce que c'est important de refaire une image derrière, puisque l'énergie, il n'y a pas d'inertie, c'est instantané. Donc si j'ai une modification de structure dans mon énergie, c'est que sa thérapie est bonne. Et si ça ne marche pas, moi j'interviens avec ma pyramide, je traite et je démontre que ma pyramide est 1000 fois plus puissante que toutes les autres techniques environnementales. Donc il y a moyen in situ, in vivo, vraiment de tester. Il n'y a pas de parti pris puisque le thérapeute peut vraiment tester. Bien sûr, il teste d'une part avant, après, il nous pose toutes les questions qu'il veut. Et nous, on explique, d'une part, il y a plein de bonnes thérapies, il y en a plein qui existent. Il n'y en a aucune qui soit aussi complète dans la même machine. Oui. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que on peut arriver à une correction thérapeutique, mais nous, on va y arriver beaucoup plus rapidement, parce qu'on a plein de sources d'énergie. Et avec la nouvelle technique que je sors bientôt, on va encore gagner deux fois plus de temps. Donc ça permettra au thérapeute de prendre deux fois plus de personnes et de faire des séances deux fois moins chères.
Ouais, et deux fois plus rapidement. Et deux fois plus rapidement. En termes de production, c'est pas incompatible, c'est bien. Pas du tout. Hein? Bah c'est ça. De toute façon, on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de rien. C'est vrai. Alors justement, par rapport à ça, on voit bien hein, ici que c'est une voilà une pyramide, une très belle pyramide. Alors je pense, je ne pense pas que la forme elle-même a été choisie par hasard. C'est pas un design qui se dit c'est classe la pyramide, non, c'est à la mode. On c'est est nul. Non. Enfin moi je suis nul, j'ai aucun goût. Ça tout le monde le sait. Tous les gens qui viennent à mes cours me diront des fois que je suis habillé n'importe comment. Là, j'ai fait beaucoup d'efforts ce soir hein, pour être présentable, mais c'est pas du tout mon style. Non, tu n'étais pas comme Retour dans le futur, d'habitude, décoiffé avec une tête. Ouais, bah, c'est plus moi, ça. Ouais, c'est, bah, même c'est, je suis c'est, McFly, c'est alors, dans l'histoire. Et du reste, quand on va voir mon fils Jonathan sur M6, quand ça va sortir, il est exactement comme moi, je suis tout le temps. Quoi. Une faille spatio-temporelle avec des gigawatts. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir combiner les choses et de pouvoir additionner les éléments pour arriver à la correction. Arriver à la correction, mais la forme pyramidale n'est pas un hasard. La forme pyramidale, c'est pas un hasard. Parce que tu aurais pu faire un cube, tu aurais pu enfermer toute... Sauf que la forme pyramidale, on la retrouve dans deux grandes régions de notre planète. On la retrouve en Égypte. Déjà. Grande civilisation. Et puis avant l'Égypte, on la retrouvait chez les Incas. D'accord. On s'est bien sûr intéressé à pourquoi elles avaient cette forme. Alors, on nous a raconté, Christian Jacques a écrit plein d'ouvrages sur la façon qu'on suppose que ces pyramides ont été construites, parce que c'est quand même des blocs de plusieurs tonnes. Ils n'avaient pas de treuille électrique, ils n'avaient pas d'engin hydraulique, ils n'avaient rien de tout ça. Mettre une pierre de 3 ou 4 tonnes à 200 mètres d'altitude, ça, comme c'est un peu compliqué, avec des fils, surtout en tirant les fils. Donc, on s'est beaucoup intéressé pourquoi et comment, et parce que la forme pyramidale, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'utiliser cette forme pour aller récupérer les ondes de forme. Les ondes de forme, pour moi, c'est deux choses bien séparées. C'est d'une part un élément moteur qui me permet de transporter une information d'une pureté absolue. Quand on transporte une information électrique dans l'atmosphère, que ce soit par l'intermédiaire des réseaux électriques câblés, ou que ce soit les champs magnétiques dans l'environnement par rapport au téléphone, etc., il y a toujours des perturbateurs qui viennent mettre un peu le bazar, et on va appeler ça des parasites. D'accord ? Les parasites, quand on a une belle sinusoïde, si on a besoin d'une sinusoïde parfaite, il faut que lorsqu'elle touche l'organisme, elle soit toujours aussi parfaite qu'elle a été fabriquée. Sauf que, le long du fil, il peut se passer des interférences. Et au support électrique des ondes de forme, j'ai une pureté absolue entre le signal émis et le signal reçu. Donc j'ai aucune perturbation, j'ai aucun parasite. Donc comme j'ai pas de parasite, mon organisme va tout de suite rentrer en résonance avec le message que je lui envoie. Ce qui va le déranger, mon organisme, c'est une perturbation en disant, si jamais, par exemple, on est en ligne au téléphone avec quelqu'un, c'est assuré, des fois, ça coupe. Il y a de la friture ou autre sur la ligne. Il y en a d'autres qui passent dans les tunnels. En tout cas, avec cette forme-là, tu n'as pas eu... Il y a beaucoup de tunnels. Quand les enfants se débarrassaient de nous, c'est vrai qu'il y a d'un coup plein de tunnels en ligne. C'est incroyable. Cadel Mallet en a fait un sketch beaucoup. D'ailleurs qui était juste, qui est émouvant d'ailleurs, en plus, qui explique bien la problématique de manque de communication dans un monde d'hypercommunication. C'est un comble. Et ce qui est absolument fou. Ouais. Donc ces ondes de forme, elles nous servent à ça. Et puis elles nous servent aussi. Il y a plein d'expériences qui ont été faites là-dessus. Et pour ceux qui sont amoureux du bon vin, mettez une bouteille dans une pyramide en carton, aux formes de la nôtre, à l'intérieur, vous prenez une bouteille à l'intérieur, une bouteille à l'extérieur de la pyramide. En termes de témoins, pour voir. En termes de témoins. Et au bout de quelques jours, vous ouvrez les deux bouteilles et vous goûtez les deux vins. Et bien, vous verrez que vous serez complètement époustouflé de voir la différence. La bouteille qui aura été sous la pyramide de carton, je parle pas d'une pyramide, on n'est pas dans des matériaux nobles non plus. Pour le coup. Une pyramide de carton, le vin aura un goût complètement différent. Parce que là, il y a l'intention aussi de la mettre, on y pose aussi ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a peut-être, c'est certainement ça, mais il y a surtout les ondes de forme qui ont travaillé les molécules du vin et qui ont fait en sorte de le bonifier. Alors, plus le vin est bio,
plus la bonification est importante. Plus le vin a des substances chimiques et moins la modification est importante. Oui, forcément. Mais j'insiste là-dessus, que tout le monde fasse sa petite pyramide en carton, et puis quand ils ont une bonne bouteille, ils enlèvent l'étiquette, ou une bouteille bio, enfin, le plus naturel possible, pour pas voir ce que c'est comme vin, et puis vous faites du double aveugle ou du triple aveugle. Extraordinaire, parce que 9 fois sur 10... C'est vérifiable, à moindre frais, toute une instrumentation extrêmement pointue ou quoi que ce soit. On a même parlé de pyramide en carton, hein, on peut le faire de On peut pas être plus simple qu'une pyramide en carton. Ah bah oui, mais c'est efficace, donc c'est pour ça que la pyramide, au niveau des deux tiers, à l'intérieur de la pyramide, il y a tout un secret de fabrication que je ne vous donnerai pas ce soir. Mais ça, c'est le côté carton, c'est quand même le trouveur, là, hein. Les ondes de forme qui circulent dans l'atmosphère, il y a d'autres moyens. Vous avez un moyen célèbre qui a été découvert dans le cercueil de Toutankhamon, cette fameuse bague de Ré, entre parenthèses, qui est un émetteur d'ondes de forme. Il y a tout un tas de pierres qui émettent des ondes de forme, notamment la turmaline, etc., qui sont très favorables. Ou les pyramides de Shangit, par exemple, aussi. Exactement. Pour nous, au niveau physique, le plus simple, c'était d'utilisation de cette forme de pyramide. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Et je pense que jusqu'à la fin de mon temps, je ne dis pas des temps, mais de mon temps, la pyramide restera. Oui. Voilà. Alors, j'en ferai jamais un cube, ni un rectangle, alors ni une sphère. Tu parles de temps, tu me facilites la transition. Combien de temps de mise au point pour cette pyramide, pour ce procédé-là? Alors, la première partie, ça fait plus de 30 ans. 30 ans déjà de recul, 3 décennies, pas rien, presque une génération, quasiment. Ouais. Et donc aujourd'hui... Là, il va sortir la dernière génération. D'accord. Quelles sont les améliorations, justement? Une rapidité d'exécution? Rapide, encore plus précise, et surtout avec une dimension thérapeutique augmentée par l'utilisation encore d'autres vecteurs. Oui, encore plus en profondeur, dans les couches. Pour vraiment rentrer en résonance avec la pathologie, pour en venir à bout. Parce que on est dans un monde qui bouge, on est dans un monde qui va vite. Il faut rattraper. Certaines pathologies aujourd'hui vont très vite. Oui, vont plus vite que les solutions qu'on va trouver. Bien sûr. Derrière, Donc on est obligé de y a une course du temps. En fait, plus on arrivera avant et plus on aura gagné. Ben là, on est déjà dans le préventif. Hein, ouais, mais c'est pas suffisant. Ah, tu veux encore aller plus loin. Je veux encore aller plus vite. Alors là, c'est le trouveur, c'est le chercheur ou le perfectionniste qui est derrière, qui parle là. Ah, là. C'est peut-être le trouveur et le perfectionniste. Certainement. En même temps. D'accord. On n'est jamais content de ce qu'on a fait. Il faut toujours aller au-delà de ce qu'on fait. Parce que tu es en âge, on va le dire aussi, aujourd'hui, d'être peinard à la retraite, de t'arrêter, mais tu ne veux pas. Ça, c'est pas envisageable pour toi. Non. Alors en plus... Il faut quand même dire, c'est qu'on travaille avec des médecins très célèbres que, par respect vis-à-vis du monde pharmaceutique, je ne citerai pas, mais on travaille sur les télomères. Oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est une petite bombe quand même qui va tout déranger, là. C'est une bombe antimatière, à mon avis, plus que la bombe nucléaire, qui va foutre un bazar pas possible dans le monde du rajeunissement ou de l'antivieillissement. Ou de la parce régénération. Parce qu'on a aujourd'hui les moyens de fixer la longueur des télomères avec des microscopes électroniques, par exemple, et de pouvoir démontrer que certaines molécules ont telle et telle action dessus. Alors, juste pour que nos auditeurs comprennent de quoi on parle. Voilà, les télomères, c'est quoi? Vous avez l'ADN. L'ADN, tout le monde sait que c'est une ellipse qui tourne, etc. Au bout de l'ADN, ce qui permet la transmission sur l'ARN, ce sont les télomères. Plus on est jeune, plus les télomères sont longs, plus la transmission se fait vite, plus on vieillit, plus les télomères se raccourcissent et plus on s'oxyde. Et après, on est bien sûr dans l'oxydation cellulaire. Et donc, quand on est dans l'oxydation, on est dans l'acidose. Quand on est dans l'acidose, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans la pathologie. Et on a la chance d'avoir deux éminents médecins en France qui ont trouvé une association moléculaire qui permette de redonner aux télomères leur structure d'antan. Donc, par voie de conséquence, on aura automatiquement un résultat sur le rajeunissement,
Donc tout simplement sur les rides, par exemple, et puis sur les pathologies dégénératives qui sont liées au temps. Je pense à l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite, enfin toutes ces maladies-là qui sont aussi de une partie de l'usure mécanique, tout simplement. Et puis, si on est en forme à 80 ans, qu'on est capable de courir encore pendant des kilomètres, et puis si on est capable de monter d'école à 90 ans, et puis si on est aussi capable d'avoir une vie sentimentale, je ne parle pas du sentiment là, jusqu'à 100 ans, et ben pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand ça va sortir, alors juste pour info, on va faire partie des gens qui vont distribuer cette technologie. Cette nouvelle technologie, ouais. Qui permet... Et qui est unique au monde, hein, parce que, en plus, ce composant, enfin, ces composants sont brevetés, sont protégés sur la planète entière. Alors, nous, on aura, bien sûr, tout le monde animal en exclusivité, quelque part. Et puis, pour le monde humain, on sera pas tout seul. Par contre, pour le monde animal, on sera les seuls. D'accord. À avoir cette distribution-là. Donc, ça aussi, c'est un scoop extraordinaire. Toujours avec la même déontologie, comme on a dit. Hein. Toujours, il faut toujours, que ce soit accessible. Toujours, il faut... Alors, l'avantage de ce produit, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication. Qu'on peut en prendre dès l'âge de 20 ans jusqu'à 100 ans. Il y a eu des tests cliniques scientifiques qui ont été faits, dont les résultats sont époustouflants. Alors, c'est sûr que... Il y a tellement de résultats. Les résultats sont indiscutables aujourd'hui. C'est indiscutable. Les résultats, moi, je les ai vus. Parce que là, il n'y a pas d'ambiguïté. On peut dire, ouais, 50-50. C'est pas possible. C'est une fois sur deux. Là, ce n'est pas possible. C'est mathématique, c'est démontré physiquement. Il y a des analyses avant, des analyses après. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. C'est indiscutable. On va être honnête. La Big Pharma va être dans le caca. Soyons honnêtes. Ils ne vont pas être très contents. C'est pour ça que je ne dis pas les noms, parce que je tiens à garder mes amis. C'est normal, je comprends. Je tiens à garder mes amis. Et moi, je dis que je vais distribuer cette machine, mais je ne vais pas dire où je suis garé, parce que ça me j'ai pas envie d'avoir du plastique. Mais justement, au niveau des représailles, tu n'as pas peur de ce qui peut se passer derrière. Si, certainement. C'est l'avantage d'avoir l'âge que j'ai, c'est que... Aujourd'hui, tu n'as plus rien à faire. C'est pas grave, ça aura au moins servi à quelque chose. C'est courageux, en tout cas. Voilà. Mais non, parce que je suis tellement destiné à m'occuper des autres, qu'à la limite, ma propre personne... elle est passée au second plan dans ma vie sentimentale, ma propre personne, il n'y a pas de raison qu'elle ne passe pas au second plan dans ma vie professionnelle. Je comprends, et c'est tout à ton honneur. Par contre, j'ai envie de te dire, Guy, est-ce que ça n'aurait pas pu être découvert avant. Je ne parle pas de toi. Mmh. Est-ce que d'autres personnes ont été peut-être muselées dans l'histoire ? C'est tout à fait possible. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir un QE et un QI équilibré, qui sont des trouveurs aussi. Le problème, c'est que quand on trouve quelque chose, on doit faire des tests. Et de faire des tests, il y a peut-être des gens qui sont au fin fond de la brousse, hein, qui ont trouvé qu'en additionnant tel et tel et tel élément, ça avait telle performance, mais ils sont au fin fond de la brousse. Et qu'ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir lancer des recherches en double aveugle, en triple aveugle, etc. Donc, il y a certainement sur notre planète, moi je m'appelle Guy Charles, mais je ne suis pas le seul à avoir voué sa vie au service des autres. Il y en a plein partout. Il y en a plein partout, avec une bonne conscience. Mais de trouver la combinaison d'un Guy Charles qui trouve les bonnes méthodes avec les bons chercheurs et qui arrive à commercialiser la chose et à faire sortir, on va dire, de l'omerta ce produit-là, c'est un trou de gruyère, il faut le trouver sur tout le long de la meule. Je remercierai toujours mes parents, parce que j'avais un père ingénieur et dans les métaux, donc avec une éducation très germanique, quelque part, et puis une maman qui était très branchée. Donc, si je me suis orienté vers ça, c'est aussi grâce à elle. Parce que l'ouverture d'esprit qu'ils ont eue, oui. Voilà, parce que on m'a appris, j'avais un papa protestant, une maman catholique, donc déjà à la maison, mais ça se passait merveilleusement bien, puisqu'ils ils se sont mariés. Ça a été le premier couple franco-allemand marié après la guerre. Et ils sont morts à 6 mois d'intervalle l'un de l'autre, tous les deux en me serrant dans les bras. Ça, c'est pas un beau cadeau. Enfin, c'est quelque chose qui est très, très compliqué, mais si j'ai cette sensibilité technique et scientifique et émotionnelle, c'est parce que le côté scientifique, je le dois de mon papa, et le côté émotionnel, je le dois de ma maman.
Un équilibre parfait à la croisée des deux mondes. Exactement. Qui est vraiment équilibré. On pourrait dire, quand on croise, on pense à une pyramide. Hein. Donc et là, il y a vraiment exactement. La forme et c'est, qu'on et c'est vraiment une chance. Par rapport à ça. J'ai vraiment eu énormément de chance d'avoir cette combinaison qui m'a permis d'être ce que je suis. Eh ben, écoutez, on leur rend hommage là où ils sont, ils nous regardent certainement et on leur dit merci par rapport à ce que tu vas aujourd'hui pouvoir lancer, en tout cas. Oui. Et là, effectivement, la machine ne peut plus être arrêtée à l'heure actuelle où on parle, puisque les premiers essais vont démarrer, je crois, à partir de la semaine prochaine. Bien sûr, partir de la semaine prochaine. Voilà. Ils ont démarré sous le sceau du secret déjà depuis un an et demi. Et là, ça va acter d'une façon officielle. Alors j'ai Camille qui réagit que les télomètres sont plus ou moins longues sans la cause du vieillissement et on peut y remédier maintenant. Mais c'est formidable, point d'exclamation. Et bien voilà, déjà une bonne chose. On revient sur, je crois, c'était Eva qui parle encore, qui revient sur les pyramides. Pourquoi les pyramides conservent mieux les chairs? Et c'est avec un bout de viande, la conservation. Ok, oui, d'accord. Parce que est-ce que les ondes de forme qui font ça. Hein. Alors Marilyn qui pose la maladie de Charcot, Marie Trout. Ou alors avez-vous fait le cobaye pour les TER? Je comprends absolument rien à ce qui se passe. C'est quoi ça te parle? Alors on est toujours cobaye de ce qu'on invente. D'accord. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que j'avais pris des châtaignes, en créant les machines, on en a rigolé, mais c'est réel. Aujourd'hui parce qu'il y a, il y a un pian quand même. Tu t'en es sorti, mais juste une petite anecdote par rapport à ça, c'est que, par exemple, l'épouse qui n'est plus la mienne aujourd'hui, à la suite de la naissance de ma fille, a développé la maladie de Crohn. Okay. La maladie de Crohn, c'est auto-immune, c'est une maladie pénible et qui ne se guérit pas. Hein, dans la mesure où on fait des biopsies, on retrouvera toujours la maladie de Crohn. D'accord. Même si elle est en sommeil, elle ne disparaît pas. Elle est latente, elle est là. Voilà. Mmh. Sauf que la pyramide est passée par là et que ma femme a été guérie définitivement de la maladie de Crohn. Waouh. Voilà. Okay. Donc, c'est osé de le dire quand même. Hein, j'ai osé le dire parce que c'est mon ex-femme. Voilà. Mais, donc ça, c'est un cas avéré. Et elle ne peut pas dire le contraire parce qu'elle est capable de manger du melon alors qu'avant, elle ne pouvait pas. Quoi. Oui, c'était pas possible. C'était complètement impossible. Alors du coup, là qu'on soit bien d'accord, hein, pose les cadres. Hein, je dis ça parce que je connais quelqu'un de très proche de moi qui est justement atteint la maladie de Crohn. Donc tu pourrais la guérir. Pour le coup. Je pourrais la traiter. La traiter, d'accord. Voilà. Okay. Et elle se guérira toute seule. Oui, puisque tu le dis depuis tout à l'heure, c'est réveiller en nous cette capacité régénératrice. On ne peut pas attaquer quelqu'un de cette auto-guérie. Oui, c'est vrai. À mon avis, c'est... c'est inattaquable. Ou alors j'ai plus rien compris. Donc, on soit bien d'accord, ton ex-épouse avait la maladie de Crohn déclarée par la médecine conventionnelle. Hein, bien sûr, biopsie à l'appui, etc. Tout ce qu'il faut. Oui. Derrière, que t'ont dit les médecins? Phase 6, que à Lourdes, il y avait aussi des miracles. Extraordinaire. C'est la seule réponse qu'ils ont été capables de donner. Et la deuxième réponse qu'un médecin m'a donnée, il peut y avoir aussi des erreurs dans les analyses faites. Ouais, c'est vraiment... Là, c'est faire le serpent et ramper... Voilà, c'est se dire... En fait, non, elle n'avait pas la maladie de Crohn. Elle ne pouvait pas manger de crudité. Elle avait les os qui se déformaient. Parce que la maladie de Crohn, en dehors de toucher les intestins, touche aussi toute la partie ostéo-articulaire. Mmh. Avec des déformations, avec des douleurs d'arthrose, de rhumatisme énorme. Elle avait des manchons au niveau des poignets parce qu'elle ne pouvait plus rien porter. Wow. C'était vraiment une atteinte très lourde. Elle a eu des infiltrations. Un stade très, très avancé. Ils ont fait des infiltrations jusqu'à ce qu'un jour on se dise on va prendre la décision de s'en occuper. Qu'on n'est jamais prophète dans son pays, vous savez bien. Alors donc, combien ça a été traité rapidement, entre guillemets? 3 mois. 3 mois? Oui. En 3 mois, c'est énorme. Parce que la maladie de Crohn, comme tu le dis, c'est à vie. Là, c'est un battement de cils, quoi, pour quelqu'un qui vit avec la maladie de Crohn depuis 20 ans. Alors, bien sûr, il y a le Pantaza qu'on donne, etc., dans la maladie de Crohn. Aujourd'hui, il y a peut-être des traitements qui marchent mieux. Mais dans tous les cas,
dans la mesure où il faut comprendre pourquoi elle est arrivée, moi, mon époux, je sais pourquoi il est arrivé, cette sa maladie de Crohn, c'est qu'en fait, elle a une césarienne pour accoucher de notre fille Maëlia, et que sa plus grande déception, c'est qu'elle n'a pas pu allaiter notre fille. C'est l'information qui en est ressortie. Et pour elle, c'est par rapport aux photos que je lui ai faites à l'époque, et pour elle, c'est ce qui est sorti, c'est que elle était en manque extraordinaire, et dans l'allaitement, il y a quand même une immunité extraordinaire aussi. D'accord, c'est très puissant, l'allaitement. Et donc, au niveau psychologique, elle a eu un vide. Et ce vide, après une grossesse où le bébé s'est quand même goinfré de tout ce qu'il pouvait, hein, parce que bon, c'est quand même... Oui, il faut compenser. Elle a compensé cette déprogrammation par rapport à la maladie de Crohn. Elle aurait pu faire un cancer du sein, elle aurait pu faire autre chose, hein, mais elle a fait ça. Voilà. La maladie de Crohn est une forme de cancer. C'est une forme de cancer dégénératif. Voilà. Au bout d'un moment, il y a quelques années, les gens qui avaient cette maladie étaient un peu condamnés quand même. Oui. Aujourd'hui, ça va mieux. Bon, ils ont arrêté de couper des morceaux parce que à une époque, c'était la grande mode. Vous avez la Crohn, elle est là. Tiens, clac, on en coupe un bout. Oui, mais ça marche pas. Et puis on recolle les bouts. Puis ah, tiens, il faut en couper un bout. À un moment donné, il reste plus rien. Et puis après, c'est un écharpement libre. C'est-à-dire qu'on mange et puis directement, ça est. Marine qui dit, peut-on, alors j'aime pas le terme guérir, je vais corriger, c'est comme ça qu'elle écrit. Peut-on guérir la charcot-marie, on va dire traiter, voilà. Pour le coup, est-ce que c'est alors, envisageable? La maladie de Charcot, il y a un célèbre scientifique qui l'a attrapé très jeune. Hein, je pense que tout le monde le connaît. Il nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Ça a été l'individu qui a gardé la maladie de Crohn le plus longtemps. Enfin, la maladie de Charcot, pardon. Tu veux dire le célèbre physicien? Le physicien anglais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ouais. Il l'a attrapé, il était tout jeune, et il est mort à 75 ou 74 ans, quelque chose comme ça. Je vous invite à voir Une brève histoire du temps, qui est son biopic, son film, qui a été fait peu de temps avant sa mort, d'ailleurs. Ouais. Qui est magnifique. Et donc... il a réussi par son intelligence, il avait un QI exceptionnel, mais il avait aussi un QI extraordinaire. Et que c'est l'addition des deux qui a fait que cette maladie n'en a pas... il serait peut-être mort aussi sans elle à la même période. C'est vrai qu'il était dans un état pas possible, qu'il avait plus de muscles. Il avait toujours ce sourire qui n'était pas si figé que ça. Il avait toujours cette expression dans le regard redoutable, et c'est un scientifique hors pair et respecté de tous. Toute sa théorie sur le monde et la vie, on voit aujourd'hui que il avait entièrement raison. Je ne sais pas si on peut, on va pas dire guérir, parce que c'est des mots qui sont condamnables par la médecine aujourd'hui. On va dire, est-ce qu'on peut apporter des solutions favorables, un mieux-être à quelqu'un qui souffre de la maladie de Charcot? Je vais dire oui, comme quelqu'un qui souffre de cancer dégénératif, comme quelqu'un qui a un HIV, comme quelqu'un qui est séropo, n'importe quoi. Je veux dire, dans la mesure où on est capable de pouvoir apporter un élément de conscience augmentée, on peut s'occuper de toutes les pathologies qui tournent. Il n'y a pas de raison qu'on jette quelque chose de particulier par rapport à autre chose. Moi, je suis pour tout tester, tout faire. Pourquoi pas? Oui, de toute façon, on n'a pas de contre-indication. Il n'y a que nos pensées qui sont limitantes. Hein, donc il faut faire exposer les barrières. Alors, il y a Beau Plantin qui dit « Est-ce possible que l'eau qui coule à flot à Lourdes est faite d'hydrogène moléculaire, ce qui expliquerait qu'elle soit thérapeutique et qu'on trouve autant de guérisons miracles sur certaines personnes ?» Juste pour ta gouverne, il n'y a pas très très longtemps, Jérôme Vibert est revenu d'un pèlerinage à Lourdes qui m'a expliqué qu'en fait, ce qu'il y a dans les fontaines n'est pas l'eau qui... C'est le même réseau que ce qui est distribué, en fait, dans les robinetteries des habitations à Lourdes, hein, faut c'est le savoir. Clair, c'est voilà, clair. Donc, elle vient d'ailleurs, voilà. Donc, en fait, c'est pas l'eau miraculeuse qu'on doit. Donc, on peut se poser, effectivement, l'effet placebo ou qui intervient dans l'histoire de l'intention. Voilà. L'effet placebo, malgré tout, quand on informe de l'eau, c'est plus un effet placebo. Voilà, c'est ça. Parce que quand on accélère l'H2O, les molécules vont beaucoup plus vite, dans la mesure où elles s'accélèrent, elles vont à une destination beaucoup plus lointaine. Alors, j'ai quelqu'un qui dit, la charcot et la charcot-marie est différente, on n'en meurt pas.
Je sais pas, on n'est pas médecin pour ça. Moi, je suis pas spécialisé de ce. Voilà, ce on genre connaît pas la différence. Je suis désolé, on n'a pas, pas la connaissance suffisante pour répondre précisément. Mais apparemment, il y a des différences, certainement. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de traiter des maladies de Charcot. La Crohn, je la connais très bien. Par contre, et je sais que j'ai beaucoup de thérapeutes qui ont des résultats extraordinaires, notamment dans les Vosges, il y a un thérapeute très célèbre là-bas qui a pris sa retraite, mais pas, il est toujours képhrénothérapeute, mais il est plus thérapeute traditionnaliste, qui a eu énormément de succès par rapport au traitement de la maladie de Crohn. D'accord. C'est vraiment quelqu'un de... Donc pour lui, c'est adopté. Hein. C'est plus qu'adopté. Il a des gens qui viennent des quatre coins de la France pour se faire traiter chez lui. Et des étrangers, des Allemands, puisqu'il est dans les Vosges, que ce soit des Allemands ou des Suisses qui viennent se faire traiter chez lui. Comme quoi, il y a six mois de délai pour avoir un rendez-vous. Et j'ose même pas parler du bruit derrière, par au tolémère derrière que tu as parlé. Ça va encore ajouter... Vraiment, il y a beaucoup de... Décidément, tu es un agitateur dans la santé. Hein, oui, hein. C'est comme les nouvelles choses pour faire de l'eau gazeuse. On met de l'eau naturelle et on appuie sur un bouton et ça fait des bulles. Voilà. Et ben voilà, moi j'appuie sur le bouton et j'aime bien faire des bulles. Parce que c'est vrai que ça désaltère plus. Et pourtant, tu n'as jamais bullé, hein, parce que... Tu disais à mi-temps avec des journées de 12 heures par jour, c'est la passion qui t'anime plus qu'autre chose. Bien sûr. Au point d'en avoir négligé ta vie sentimentale. Quoi, voilà, j'ai pas de vie sentimentale, puis j'en aurais pas parce que. C'est quelque chose que tu as accepté ça aujourd'hui, enfin, ou justement. Ben, c'est quelque chose auquel j'ai plus le temps de penser. Ah, t'as plus le temps de penser, c'est encore autre chose. Là. Voilà. Donc, mon QE a pris le relais en me disant que l'amour inconditionnel et que l'amour des autres sera toujours plus grand que l'amour personnel. Tu es plutôt... Quel signe de... Je suis taureau ascendant lion. Quel bordel. Dominique Humaine en dirait un bon bout, en tout cas. Que pensez-vous du NAD+, concernant les tolémères? Merci. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, ce soir, je suis... Alors, il y a plein d'options, hein, parce que... Explique quand même ce que c'est que le NAD+, parce que moi, alors, le NAD+, c'est certainement une molécule utilisée pour... qui aurait un potentiel de rallongement de télomère. Il y a plein de produits de pharmacie qui ont, entre parenthèses, le potentiel de rallonger les télomères. Mais il n'y a jamais eu d'études cliniques sérieuses de fait là-dessus. C'est un petit peu comme l'homéopathie, où on dit qu'il n'y a pas eu d'études cliniques dessus et qu'on ne rembourse plus. Et ben, c'est la même chose. J'ai pas, moi, utilisé du NAD+. Par contre, j'ai utilisé le produit que l'on teste actuellement et je dois reconnaître que j'ai découvert chez moi des modifications de structure importantes. Parce que bon... J'étais beaucoup plus ridé que je le suis avant. Donc, Du coup, ça suscite une question qui dit, cher Guy Charles, quel âge avez-vous en vrai maintenant avec votre outil? 64 ans. Ben voilà. Et toutes tes dents. Ouais, tout à moi, peut-être pas, mais... mais en grande partie, oui. En grande partie, oui. Quelqu'un qui demande, Patricia, qui demande, peut-on traiter toute forme de rhumatisme? Ou neuro, quelqu'un d'autre. Alors là, c'est Pascal Angeau. Merci. Salut Pascal, au passage. Et là, neurofibromatose. La neurofibromyalgie. Ou la neuroalgodystrophie. Les rhumatismes déjà. Alors les rhumatismes, c'est toujours de l'inflammation. Oui. Donc on a dans notre organisme, quand on a un terrain inflammatoire, on a un terrain acide. Quand on a un terrain acide, on a un terrain qui s'oxyde. Quand ça s'oxyde, on tombe malade. Dans la mesure où on est capable d'aller titiller les bêta-morpho-endorphines, qui sont une substance antalgique locale, oui, on va pouvoir apporter un élément de réponse sur les rhumatismes, sur la fibromyalgie, qui est à l'origine un choc émotionnel, 9 fois sur 10, et la neuroalgodystrophie est aussi... Au départ, une fracture physique réelle, et après, il y a eu un choc émotionnel qui a permis à cette satanée chose de s'installer, de faire mal aux gens. Mais l'origine, il y a toujours un phénomène inflammatoire. Et nous, notre façon de lutter contre l'inflammation, c'est d'utiliser d'une part les points d'acupuncture qui ont une fonction anti-inflammatoire, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans l'organisme. Il y a 361 points
d'acupuncture. Et dans ces 361 points, il y a un point magique qui s'appelle le 60e vessie, qui est appelé dans toutes les revues d'acupuncture comme le point aspirine. Mais quand on stimule ce point aspirine à certaines fréquences, on obtient une mobilisation beaucoup plus importante des bêta-morpho-endorphines. Donc les gens ont une mobilité augmentée. Alors, ouais. Guérir, je ne sais pas si on peut dire guérir. Mais en tout cas, soulager. Soulager, oui, il n'y a aucun problème. Parce que les endorphines endorment tout ça. Et on s'est rendu compte que quand les gens commençaient à reprendre l'habitude d'avoir un fonctionnement naturel, avec une mobilité augmentée, 9 fois sur 10, la pathologie rhumatismale a tendance à reculer. Donc aussi. Plus on va mieux grâce à ce procédé, plus on est dans un cercle virtué qui fait que plus on va mieux, plus on va mieux. Hein, exactement. Et moins on va mal. Hein. Bien sûr. Donc là j'ai Sylvie, si tu peux lire, je crois, c'est le premier, je te laisse lire parce que je ne vois pas trop d'ici. Charcot Maritus a dit, c'est la démyélinisation du nerf, c'est comme un fil électrique dénudé qui provoque une panne électrique, donc provoque une paralysie. Voilà, en fait, la Charcot-Marie, elle précise. D'accord. Merci okay. Sylvie pour cette précision. Voilà. Alors, dans la mesure, on a fait des tests sur des troncs cérébraux, on a fait des tests sur des gens paralysés à la suite d'accidents, et à chaque fois qu'on s'est approché de leurs pieds, et que l'on a fait passer l'énergie dans leurs pieds, il y a eu des réactions. Alors, soit des réactions de mobilité, mais ça, on l'a tous fait quand on était en troisième avec la fameuse grenouille, la pauvre grenouille, encore que ce n'était pas la même, parce qu'elle aurait fini par cuire. On a tous fait ça, hein, en faisant gigoter la grenouille alors qu'elle n'était plus de ce monde. Abominable passage. Ouais, mais bon, on était curieux. Oui, on était curieux de voir ça. Moi, j'ai eu l'occasion de traiter des gens qui avaient ce genre de problématiques, et à chaque fois, ils ont eu un ressenti. Alors, il y en a qui ont eu un ressenti sur des membres fantômes aussi. On a fait des expériences sur des gens qui avaient été amputés, par exemple, et on traitait à l'endroit supposé du méridien, et les performances que l'on cherchait au niveau de la correction thérapeutique étaient au rendez-vous, même sur un membre fantôme. Alors c'est qu'en fait, le membre fantôme, il est toujours fantôme, puisqu'il n'est plus là physiquement, mais que son empreinte est resté dans une autre dimension, et que notre potentiel électrique et les fréquences que l'on envoie ont peut-être une action sur ce qui ne se voit pas. Alors justement, la kéloréno-thérapie, j'arrive pas à le dire. La kéloréno-thérapie. Voilà. Là, ici, on parle, par exemple, il aurait eu, par exemple, un alpiniste laisse des fois des phalanges au passage, hein, par rapport aux engelures qu'il peut y avoir. Est-ce que si tu aurais fait le gros pouce aurait disparu, tu aurais eu une sorte de rémanence. On aurait eu une rémanence plus ou moins grande en fonction de la date à laquelle il aurait été amputé. D'accord. Par exemple, on a fait des images sur des feuilles, sur des feuilles qu'on venait de prendre d'un arbre. On faisait l'image et j'en ai des centaines à nos dispositions. On prenait un ciseau, on coupait la feuille, et si on refaisait une photo dans les 5 minutes de l'incision, on voyait le contour réel de la feuille. Ah oui, avec la partie en moins avec qu'on avait coupée. Avec la partie qui n'était physiquement plus là. C'est une sorte d'un là. Jeu de pendu, quoi. Voilà, hein, mais ça dure très peu de temps. Ouais. 10 minutes après, on refaisait la photo et on voyait bien que la feuille avait été coupée. Voilà. C'est un effet, c'est éphémère. Il y a donc une sorte de... Mais il y a quand même un effet. Ce qui est étonnant, c'est que le morceau de feuille coupé, on voyait quand même son rayonnement si on se dépêchait. Si on prenait son temps, on ne le voyait plus. Mais ça veut dire que le temps pour nous, et c'est une question de secondes, de minutes, d'heures, de jours, etc. Mais le temps au niveau de l'énergie, personne ne peut le maîtriser et personne ne sait comment il démarre. S'il démarre à 1, s'il démarre à 0, s'il démarre en mode binaire ou pas. La grande question, c'est où est le temps et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ? D'accord. Donc, demain, avec les nouvelles mathématiques, on pourra expliquer ce, oui, genre ce de que choses. Tu disais tout à l'heure. Voilà. Oui. C'est peut-être ça qui nous limitait jusqu'à aujourd'hui, nous retardait peut-être. Parce qu'on parce a toujours besoin de savoir comment, pourquoi, parce que. Oui. Voilà. Alors, juste pour que les personnes puissent un peu comprendre ce qui se passe, c'est vrai que si vous prenez, par exemple, moi je sais que mon frère Davy a son école de musique et préfère apprendre un jour de guitare qu'il n'a jamais touché une guitare,
que perfectionner quelqu'un qui joue déjà, qui joue après lui-même. Pourquoi ? Je vous explique pourquoi. Hein. C'est pour faire rebond avec ce que vient de dire Charles. C'est par rapport au fait que si une personne a pris une mauvaise position, il va être limité dans l'éventail d'accords qu'il va pouvoir faire au niveau de la guitare. Et faire désapprendre à quelqu'un, c'est plus compliqué que quelqu'un qui ne sait rien du tout et qui apprend dès le départ les bonnes positions pour avoir un maximum de possibilités et d'éventail en fait tonique et tonal au niveau de la guitare. Donc on est dans ce genre de pensée en fait au final. Tout à fait. Exact. Voilà. Juste la neurofibromatose. Je sais pas en fait comme je gère beaucoup de choses. Je sais pas si tu avais répondu à Pascal. Oui. Oui. Oui, voilà. De toute façon c'est à l'origine tout ce qui est fibromyalgie qui est une pathologie terriblement inconfortable. Ah oui. Alors c'est vrai aussi que c'est aussi une vaste poubelle, c'est-à-dire que quand la médecine traditionnelle est dans l'impasse par rapport à la souffrance de quelqu'un, on a tendance à les classifier dans la fibromyalgie ou dans tout ce genre de pathologie, sauf que ils sont dans la souffrance et que les seuls moyens pour qu'ils le soient moins, c'est de leur donner des produits qui vont lutter contre la douleur, sans comprendre la douleur. Et notre atout à nous, c'est qu'on va déjà comprendre la partie du QE, et après seulement, on passera à la matière. Mais tant qu'on n'aura pas compris ce qui a été à l'origine, on n'arrivera pas à la corriger. C'est sûr que si on coupe les branches d'un arbre, il faut s'intéresser à la racine, comment il est mal nourri pour avoir des branches pourries. Hein. C'est toujours pareil. Ben voilà. Donc dans l'histoire, il y a beaucoup de questions là qui en fait... Alors, j'ai Lou Gris qui dit, est-ce que ça peut guérir du capitalisme ou de la soif de pouvoir? Ça, on verra. C'est une question philosophique. Mais tu as raison de la poser, Lou Gris. C'est très intéressant. Par contre, d'autres personnes s'intéressent aussi la thyroïde qui apprend exclusivement beaucoup la jeune féminine qui est atteinte de cela. Est-ce que ça traite? Oui, alors la thyroïde, il y a eu en plus un scandale pharmacologique il n'y a pas longtemps avec le fameux Levothyrox et son remplaçant. Oui, c'est vrai, c'est très récent. C'est pas vieux. C'est vrai que l'ablation de la thyroïde devient à la mode en ce moment. De plus en plus de patients sont touchés par ça. Je suis intimement convaincu, et on l'a vu pour le diabète notamment, parce que le diabète, on travaille beaucoup dessus en ce moment. Et je peux en parler en état de cause, puisque malgré tout, je suis devenu diabétique et je ne le suis plus. Je me suis traité uniquement avec la pyramide et mon diabète a totalement... J'étais bien sûr un diabète pas de type 1, mais 2. Maintenant, même quand je mange du sucre, je suis inférieur à 7, alors qu'avant, j'étais diabétique. Donc, j'ai pas mis très longtemps à me soigner. J'ai mis à peu près un mois et demi. Analyse à l'appui avant et après traitement. Donc, déclaré, là aussi, pareil comme pour ton ex-épouse, avéré par la médecine conventionnelle, avéré, officielle, avec un traitement médicamenteux que j'ai refusé de prendre. Avec etc. J'ai refusé de prendre. J'ai pas voulu. Ouais, parce que je me suis dit, ça va m'empoisonner. J'ai un outil. Si mon outil marche pas, c'était l'option que j'avais choisie. Donc non seulement tu t'es électrocuté, mais tu as essayé aussi sur toi-même. Donc tu as pris la machine et ensuite si ça ne marche pas, je passerai aux molécules de chimie. J'ai pas eu besoin. Ouais, je n'ai absolument plus de diabète et je peux montrer toutes mes analyses à la terre entière. Avant et après, en leur montrant bien que je ne prends pas de médication particulière. Juste une aparté avec Patricia qui dit donc les produits laitiers à éviter quand rhumatisme, pipo, point d'interrogation. Je pense pas. À un moment donné, le professeur Henri Joyeux dit très bien de prendre des produits laitiers de petites bêtes, pas de vaches ou de choses comme ça. Puis on est le seul être vivant à continuer à boire du lait après le sevrage. Et ça, c'est pas très très logique. La pyramide n'est pas une baguette magique qui va vous permettre. Tout à l'heure du diabète par exemple. Aujourd'hui, il faudrait pas que tu continues à te goinfrer comme ce qui a provoqué le diabète. Fais attention. C'est toute la différence maintenant par rapport à avant. C'est que en prenant conscience, je fais beaucoup plus attention qu'avant. Avant, j'étais capable de manger
un sac de bonbons en une heure de temps à la maison. Là, je vais manger un ou deux bonbons, mais je mangerai pas. Raisonnablement. Non, mais c'est pour dire que la personne, si vous avez des rhumatismes, ne comptez pas sur la pyramide pour enlever. À côté de ça, vous goinfrez de lait, hein, parce qu'on sait que justement, bien ça joue bien contre. Bien sûr, tout à fait. Il faut faire attention. C'est une aide. Voilà. La pyramide est une aide. Moi, elle m'a sauvé la. Enfin, je veux pas dire qu'elle m'a sauvé la vie, mais elle m'a sauvé de mon diabète, parce que d'être de diabète type 2, bah, c'est inconfortable. C'est inconfortable parce que faut toujours être en train de regarder ce qu'on mange, etc. Et moi, je suis un peu épicurien malgré tout, et que j'aime bien la bonne bouffe, et que ça commençait à me priver, quoi. Je me suis dit, merde, ça commence à être pénible, donc il faut vraiment faire autre chose. Et voilà, maintenant, je peux... Bon, t'es pas le seul cas. C'est pas le seul cas qui a été avéré, parce que là, c'est toi le cobaye. Est-ce qu'il y a d'autres cas de diabète, par exemple? Il y en a plein. Je parle de diabète de type 2, on est bien d'accord. Type 2, oui, on est d'accord. Je parle pas d'insulino-dépendant. Je parle de diabète de type 2. Oui, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et comme là, tu par parles d'insulino-résistant, c'est plus la même chose. Il y en a plein, qui, comme par hasard, avaient des problèmes émotionnels. Et moi, quelque part, j'ai eu aussi mes problèmes émotionnels. Oui. Il n'y a pas longtemps. Personne et c'est parfait, à cause de ça que j'ai développé mon diabète. Tout simplement. Émotionnel aussi. Mais je l'ai su. Je l'ai su parce que... Est-ce que c'est la pyramide qui t'en a fait prendre conscience, ou tu d'abord as fait un travail sur toi-même? Non. La pyramide a effacé a reprogrammé la Je me sentais pas bien, j'étais fatigué, moi qui ne le suis jamais, j'étais fatigué, je sentais bien que la mécanique commençait à avoir des signes de faiblesse, donc je suis allé faire un check-up et un bilan complet, analyse cholestérol, enfin tout ce qui passe, les glycérides, enfin tout. Bien sûr. J'ai fait toute la gamme. Et à ma grande surprise, quand j'ai vu que toute la partie glycémique était en rouge, je me suis dit, oula, ça veut dire quelque chose, ça ne va pas bien. Donc mon médecin m'a dit, vous êtes un diabète de type 2, il faut absolument vous traiter, il faut prendre ça. J'ai dit, oui, bien sûr, notez, faites votre ordonnance. Puis après, j'ai ralenti le sucre tout seul pendant plus de 15 jours. Et puis, je me sentais un peu mieux, mais ça n'allait pas encore. Et c'est là que j'ai pris la décision de me traiter avec ma machine. Certains demandent à revenir sur la thyroïde. Est-ce que tu peux développer justement par rapport à la thyroïde? Par rapport à la thyroïde, il y a eu le fameux Levothyrox, il y a eu l'autre produit que je me souviens même plus du nom. Le problème de la thyroïde, c'est que d'une part, ça agit sur l'émotionnel de la femme. Les femmes qui ont soit elles sont hyper, soit elles sont hypo, souvent ça agit sur leur poids, ça agit sur leur comportement, ça agit sur leur rythme cardiaque, puisque la thyroïde fait partie aussi des régulateurs au niveau cardiaque. On se rend compte, nous, avec l'auriculothérapie, c'est-à-dire que la pyramide a ce potentiel-là en plus, c'est qu'elle est capable de traiter tous les points des oreilles. Et dans l'auriculothérapie, il y a des points, d'une part pour la tension artérielle, et d'autre part pour la thyroïde. Et on se rend compte, le seul problème que je trouve, c'est que les séances doivent être récurrentes, c'est-à-dire que si on veut éviter de prendre du Levothyrox ou son remplaçant... Oui, il y a quelqu'un qui dit Levothyrox fatigué, perte de cheveux, prise de poids, et j'ai même arrêté pendant quelques mois, j'ai eu des chutes, voilà, des rechutes. Voilà. Donc, la pyramide pourra se substituer à certaines doses de Levothyrox. La pyramide pourra permettre à l'émotionnel de reprendre sa juste place. La pyramide permettra aussi au rythme cardiaque de se stabiliser. Donc, par voie de conséquence, la pyramide va être utile. Sauf que si on arrête les traitements, ça recommencera. Donc, il faut une régularité. Pour ce genre de pathologie, oui. Alors, le nombre de temps de régularité, je ne le connais pas, parce qu'il est variable en fonction de chaque individu. Oui. Chaque personne va peut-être... On ne peut pas donner la posologie exacte. Madame Dupont va avoir besoin de 10 séances, et puis Madame Durand aura besoin de 20 séances pour obtenir le même résultat. Et après, peut-être qu'il y en a une qui pourra s'en passer tout le temps, et puis que l'autre ne pourra pas s'en passer. Le problème, il est là. D'accord. C'est comme pour le diabète. Moi, je suis en phase où je ne me fais plus de poids du tout, parce que je veux savoir combien de temps ça tient. Alors peut-être que dans 15 jours, quand je vais refaire mes analyses, peut-être que je me dirai, tiens, il faut que j'y retourne parce que ça a changé. D'accord. Je ne le sens pas encore au niveau physique. Mon image me montre que tout est stabilisé, parce que je regarde ça. Mais je ne sais pas si ça va. Si peut-être la semaine prochaine, après avoir mangé un bol de chantilly, peut-être que là, tout va se redéclencher, je ne sais pas. Mais
au moins, j'aurais, si c'est le cas, ben, je saurais que j'arrêterai qu'une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les mois, je me ferai ma petite séance tranquille. D'accord. Voilà. Alors, tu parles de petite séance. Alors, toi, tu es créateur, je comprends, et tu as accès à la magie, encore heureux, celle que tu as créée, inventée et mise au point depuis plus de 3 décennies. Mais du coup, est-ce que ta machine est justement que pour les thérapeutes ou le particulier peu s'auto entre guillemets. Oula, alors là tu me tends un piège auquel j'avais pas prévu de répondre, mais je vais. Ouais, mais t'es pas obligé de répondre. Hein, non, si, je vais répondre quand même. Voilà, je suis aussi dans mes tiroirs, je suis en train de mettre au point une mini pyramide domestique, on va dire, et moins voilà. Thérapeutique, enfin moins professionnelle. Une mini pyramide domestique pour permettre à toutes les familles d'avoir cet outil à la maison. Avec des efficacité. Formations d'Internet. Donc, on va donner des cours sur Internet. Donc, les gens auront accès, moyennant euros, on ne sait pas combien encore aujourd'hui. Donc, on va faire une mini-pyramide qui va être bridée dans sa puissance, bridée dans ses fréquences, avec le potentiel à peu près de ce qu'elle de celle de l'ancienne version. Elle aura à peu près le même potentiel. Elle n'aura pas le potentiel de la nouvelle version, ça c'est sûr, parce que je veux la garder qu'avec les thérapeutes. Par contre, elle sera domestiquée à la maison. Madame pourra s'en servir pour lutter contre ses rides, parce que ça marche bien. Madame pourra s'en servir pour détendre son mari, parce que son mari est arrivé en colère du boulot et qu'il était ronchon. C'était l'ours dans la maison qui rentrait. Elle pourra tout de suite intervenir pour lui raccrocher un sourire aux lèvres. Elle pourra intervenir si sa fille, avant un examen, ne dort pas. Elle pourra intervenir sur des bobos mineurs, sur des petites migraines, etc. Et puis elle pourra intervenir aussi dans l'environnement. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on vit tous dans un environnement perturbé et que d'assainir l'environnement dans lequel on évolue est très important. Et à la base, on soit nettoyé avant de... Voilà. Ce qui est un peu normal. Ouais. J'ai Pascal qui dit Reking Gozen. Tu connais, définitivement, on me sort ces termes ce soir qui sont... Vous êtes vraiment des spécialistes, il faut un dictionnaire ce soir. C'est impressionnant. Alors, mini trousse de secours, oui, en même temps, ça va être la pharmacie familiale, voilà, tout simplement. Ça, c'est un produit qui peut sortir quand? Oh, rapidement. 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 Et avec les cours qui vont avec. Parce que, en fait, ce qui est plus long, c'est pas la partie électronique. Il y a tout un code système autour de ça. Il y a tout un tas de choses autour et pour permettre justement de terminer les cours, c'est des enregistrements, bien sûr. Hein, c'est un peu que. Et des studios sera testeur et vous donnera. Voilà. Il y aura toute une pédagogie. Donc, les gens pourront, derrière leur fauteuil, apprendre à utiliser cette machine. Et ça aussi... En toute autonomie. Voilà. Et ça va être aussi... C'est en train d'être mis au point pour les professionnels. Parce qu'on s'est rendu compte... Moi, je me suis rendu compte quand je donnais des cours. J'en donne toujours à l'AICA. Parce qu'il y a des inconditionnels qui viennent plus pour me voir, moi, que pour le cours que je leur donne. Parce que ça fait 25 ans que je leur donne des cours. Donc, ils ont appris. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pu assister à nos cours parce qu'ils étaient là, ils étaient à droite, à gauche. Oui, des problèmes de calendrier. Donc, à partir de la rentrée du mois de septembre, il va y avoir des cours pour les professionnels avec un password particulier vis-à-vis de l'AICA. Alors, ça va être l'AICA ici. C'est l'AICA. Donc, les gens vont rester chez eux, derrière leur ordinateur, et ils vont avoir un cours magistral. D'accord. Avec la nouvelle technologie, bien sûr, pour leur apprendre, etc. Parce que quand je sais qu'il y a des gens qui payent à des gens du Sud 400 euros le week-end de formation, alors que c'est des gens qui n'ont pas la compétence à donner un cours, ça me bride un peu, moi. Justement, ça me fait réagir à quelque part, à force de former des thérapeutes dans leur thérapie, en fait, pour optimiser l'utilisation et aussi dans l'interprétation, puisque tu as l'habitude, à force de créer, on revoit encore cette image, on voit quand même assez étonnante. On reparlera aussi peut-être de la fameuse main, tu disais, dans X-Files, qu'on voit dans le générique. X-Files, c'est une photographie à toi. C'est une photo que j'ai faite il y a très longtemps, puisqu'à l'époque... On va le répéter une seconde fois. La main dans le générique de X-Files, qui ressemble terriblement à ce genre d'informations-là, à cette image, est une photographie de Guichard. Voilà, c'est une photo... Alors, c'était sur du papier photo.
puisqu'à l'époque, la partie numérique n'existait pas. C'était encore la partie argentique. Et c'est une photo qu'on a fait avec 7 bacs, hein, comme on faisait dans le temps, là, les photos couleurs, à un certain temps, certaines températures, etc. Et donc, c'est à l'époque, la série X-Files qui m'a demandé de leur faire une photo. J'ai été bête parce que je leur ai offert. Ça a été un cadeau pour moi, j'aurais fait un cadeau, je l'aurais pas... Là, t'aurais touché des royalties, et peut-être que l'agent Mulder et Madame Scully seraient venus te voir te questionner. Mais j'ai déjà fait la photo de Miss France sur un salon, à l'époque, mais il y a... Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a longtemps. Alors, j'ai envie de te dire, c'est pas une insulte, mais c'est quelque chose, c'est un jeu de mots, thérapeute toi-même, j'ai envie de dire. J'ai envie de te dire ça, parce que finalement, à force de former des thérapeutes, est-ce que t'es pas devenu toi-même, par la force des choses, un petit peu thérapeute, pas autoproclamé, parce que tu le dis depuis tout à l'heure, tu n'es pas thérapeute, tu es trouveur, chercheur, inventeur, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tu n'as pas, tu refuses cette étiquette de thérapeute, pourquoi ? Parce que tu ne l'assumes pas ou... Non, si, j'assume parfaitement, puisque je vais beaucoup dans les hôpitaux, et je suis, et puis dans les cliniques vétérinaires, je suis toujours présent, et notamment chez un célèbre thérapeute à Neuilly, un grand vétérinaire qui est chirurgien, où on fait des tests directement, et je ne suis pas thérapeute, mais je suis accompagné d'un thérapeute, donc c'est moi qui guide, on fait tel point, on fait telle chose. J'assume parfaitement le fait d'être un outil supplémentaire pour les thérapeutes. Je ne suis pas thérapeute parce que si je me déclare thérapeute, je serai obligé de me déclarer en tant que magnétiseur, en tant qu'énergéticien. Moi, j'en connais un qui s'est appelé bioénergéticien. C'est redoutable. il est nul comme tout, mais il s'est appelé bioénergéticien. Et bravo, j'adore monsieur, d'être bioénergéticien. Moi, ça ne veut rien dire pour moi. Même si l'OMS a déterminé que le bioénergéticien, c'était cette chose, puisque c'est ce qu'il revendique, puisque c'est l'OMS qui le dit. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Non, mais on sent quand même dans ton caractère qu'il y a quelque chose d'anti. Tu ne supportes pas, c'est assez pragmatique. Quand Moi, je ne supporte pas la méchanceté et la bêtise humaine. Oui, j'ai un gros souci avec ça. J'ai un très gros problème avec ça. Ça peut que se comprendre. Mais bon, tant que je pourrais apporter mon savoir pour lutter contre la pathologie, contre la douleur, contre le mal-être des gens, je serai entièrement dévoué à mon travail. Que les gens me mettent n'importe quelle étiquette, ça ne me dérange pas. Qui me disent thérapeute, qui me disent j'ai eu la médaille d'or de la formation de la képhrénothérapie il y a 10 ans, j'ai un magnifique diplôme que mes clients m'ont offert avec ils ont tous signé dessus, c'est magnifique. Mais bon, à la limite, je cherche pas la gloire, je cherche seulement l'efficacité. Et c'est à tout autant d'honneur, encore une fois. Alors, là, j'ai Capucine qui demande, qui se plaint qu'elle n'a pas eu de réponse. Alors, je te l'ai souligné en bleu. Si tu peux le lire à haute voix, je te prie. Peut-on par cette méthode détecter le degré du cavernum au cerveau en vue de le soigner efficacement? Merci. Alors, qu'en est-il? On est capable, avec notre méthode, de pouvoir utiliser toute la panoplie du potentiel de l'acupuncture traditionnelle ayurvédique ou chinoise. Et il y a des points extraordinaires, dont un, notamment, qui s'appelle le 20VG, le 20 vaisseau gouverneur, qui est un point qui se trouve en plein milieu de notre tête, qui a une action extraordinaire au niveau cérébral. Après, j'ai jamais traité ce genre de pathologie, mais qu'on puisse arriver à apporter des réponses de correction et des réponses de mieux-être, certainement. Il n'y a aucun... Je ne vois pas de... Il y a une émission, il n'y a pas longtemps, qui a été transmise où Michel Simès assiste en Chine à une intervention chirurgicale sous acupuncture à aiguille, avec à cœur ouvert, d'une nana qui parlait. Ils lui ont coupé le sternum avec la scie sauteuse, parce que c'est comme ça que ça marche, avec la tronçonneuse. Ça devait péter, sauter, Et il était là, et je pense que ça lui a fait un électrochoc, parce que c'est un monsieur qui est très médecin, je veux dire, il est très... J'en ai même rien qu'en parler, voilà. Rien qu'en imaginer. Et là, on le voit derrière la vitre, mais c'est pas possible, ils vont pas le faire. Et la nana, elle parle, il y a un drap, bien sûr, elle voit pas ce qu'on va lui faire, mais elle entend, elle parle, elle s'exprime, et elle a que 4 aiguilles plantées dans le corps.
Et ils ont ouvert, ils ont découpé le sternum, ils ont fait une opération à cœur ouvert, et pendant ce temps-là, la nana, elle parle. Alors, quand on voit que ce genre de performance est possible, on peut dire que, via l'acupuncture, via la médecine ayurvédique, on est capable de faire énormément de choses. Voilà. Bon, on voit que le spectre est extrêmement large, tout comme le spectre que tu élargis au niveau de la vision et en profondeur grâce aux différents procédés, que ce soit au niveau de la photographie et au niveau des procédés avec la pyramide, on va parler de soins, entre autres. Quelqu'un qui fait une remarque en disant qu'il est étonné par la belle peau, donc il te félicite par rapport à Edith, même que tu fais plutôt la cinquantaine plutôt que ton âge. Félicitations. Merci à toi. C'est sympa. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Au passage. Et puis Patricia qui demande, est-ce que les rendez-vous sont rapides? Alors, j'ai du mal avec cette question parce que on l'a dit tout à l'heure, tu n'es pas thérapeute, mais si elle est thérapeute, donc on va considérer que Patricia est thérapeute, si elle veut un rendez-vous pour tester la pyramide, la machine, voir être formée, est-ce que ça se passe rapidement? Oui, dans les 15 jours. Dans la quinzaine, c'est... La quinzaine, oui. Ouais. Actuellement, c'est dans la quinzaine. Oui. Voilà. Je pense que dans quelques jours, quand tu vas passer à M6, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça va être un petit peu plus compliqué, surtout la semaine prochaine, qu'on fait des tests cliniques. Oui, tu lances ce fameux tolémère, voilà. Là, je vais être un peu plus pris. Mais bon, encore une fois, la société que j'ai créée, AirTech, j'ai pas besoin d'elle pour vivre, puisque je suis un retraité. Donc, dans la mesure où je suis un retraité, toute la partie financière ne m'incombe pas. Voilà. Donc, je préfère être dans ma situation parce que je sais que je peux vivre de ma retraite sans aucune difficulté. On va être honnête, en fait, t'as pas à raconter de bobards, justement, t'es pas clientéliste pour le coup. Non, pas du tout. Et en fait, tu t'en fous, t'as rien à vendre. Moi, je travaille avec mon cœur, je travaille pas avec mon portefeuille. C'est l'avantage qu'il y a. Je vous en prie, Guichard, voilà, par rapport à la fée. Alors, en tout cas, on vous remercie. Alors, je suis désolé si ça a été un petit peu brouillon ce soir au niveau du sujet, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On a parlé du procédé photographique qu'on voit encore ici, tu as mené la plaquette. On a parlé de la pyramide, qu'on n'a pas là, mais qu'on peut voir ici, si on va ici sur AICT, la société internationale de... Frénothérapie, ça y est, tu l'as dit. Voilà. Tu le tiens. Je t'avais dit qu'à la fin de la séance, tu le saurais. J'arrive enfin. Et donc, ensuite, on parle aussi de ce nouveau procédé, en fait, tolémère, dont on parlait tout à l'heure, qui est imminent, le lancement est vraiment imminent. Bien sûr, et puis la formation de l'eau, parce que c'est quand même quelque chose pour lesquels il n'y a aucune contre-indication. Même à un nourrisson, on lui donne de l'eau informée, on ne va pas lui faire mal. Quoi. Dans le biberon, on peut en mettre, ça lui fera pas mal. Ouais. Donc ça, c'est quand même important, parce que tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai essayé de créer, c'est d'apporter des réponses sans contre-indication. Oui, parce que c'est inattaquable quelque part, et surtout indiscutable après, avec des résultats qu'ils ne peuvent qu'être constatés, même si tout n'est pas explicable. On ne peut pas tout expliquer encore. J'espère qu'on pourra, et que d'ici la fin de ma vie, j'aurai certainement de quoi... J'ai écrit un bouquin, qui s'appelle « Les 12 cahiers de Kefreno », avec la collaboration exceptionnelle d'un monsieur... Qu'on peut trouver chez nous, avec Dominique Arnaud, qui est l'un des présidents du CERA, qui était un groupe de formation énergétique dans le sud-ouest. On a écrit un bouquin ensemble, on vient de réécrire quelque chose, un deuxième bouquin, qui va permettre, c'est un peu la Bible, donc là on va sortir un pavé de plus de 800 pages sur la correction thérapeutique que j'ai mis au point. Voilà, là, on verra vraiment en profondeur et en détail qui sont passionnés par le sujet. Et donc, là, il suffit de se connecter sur l'un des deux sites. On peut trouver donc cet ouvrage ici. Non, on ne trouvera que si on nous le demande. Ah, donc il faut en faire la demande. Parce que je ne voudrais pas alimenter des choses que je refuse. D'accord, je comprends. Donc, voilà, c'est lancé pour ceux qui veulent être, qui sont intéressés en tout cas par cet ouvrage. Qui est, d'ailleurs, on pourrait parler d'un... Ma mémoire, hein. Oui, c'est un grand mode d'emploi. Voilà. Oui, mais très approfondi, là, pour le coup. Très approfondi. Mais il y a 80 cas photographiés, analysés, traités. Derrière. Donc, avec photo avant, photo après. Voilà. Ça fait du monde.
Ça fait du monde. Voilà. Mais donc, ça permet aux thérapeutes de s'appuyer sur des choses qui sont concrètes. C'est une Bible. Concrètes. Voilà. Enfin, c'est une Bible, hein. Exactement. Voilà, vous en savez plus ce soir. Ça a été le seul direct de cette semaine, et quelle semaine en tout cas, en ce qui me concerne, parce que ça veut dire aussi que derrière, j'ai aussi réalisé, tourné. On verra la semaine prochaine une séance avec Valérie Ménéroux. Pour le coup, on avait vu une séance en EFT, en direct, par téléphone, à distance, par Skype, mais à chaque fois, vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu les personnes qui se faisaient traiter. Là, pour le coup, la personne sera de visu. On a enregistré l'émission et on fera un bilan. La personne qui a été traitée viendra avec elle et parlera avec une semaine de recul de ce que l'EFT a parlé à visage découvert. Et ça, c'est une très bonne chose et je vous invite vraiment à vous connecter, à nous suivre. Il n'y a pas que ça. Il y aura aussi Jérôme Vibert qui va revenir, mais je ne donne pas encore la date parce que sinon, je vais avoir le formulaire qui va être repris encore. Et je ne veux pas pour l'instant parce que on en prendra les demandes et les questions que 24 heures à l'avance. La semaine prochaine est très, très chargée. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de directs. Et ça sera, on va dire, un dernier coup de rein avant le repos, évidemment, pour qu'on reprenne à la rentrée. En tout cas, Guy Charles, ça a été vraiment une superbe découverte de te rencontrer, une très très belle rencontre, autant sur le plan humain, j'ose le dire, et c'est pas quelque chose que je dis à chaque fois dans les émissions, parce que je me suis vraiment régalé, c'est quelque chose de très nourrissant et très stimulant pour l'intellect, mais aussi sur le plan émotionnel, on sent que t'es une personne qui travaille avec ton cœur plus qu'avec ta tête, et bon, qu'il faut avoir une tête bien pleine pour faire ce que tu fais, hein, c'est pas rien, quand même, d'aller jusque-là. J'espère simplement que derrière, la suite va suivre aussi. Hein, bien sûr, j'espère. Et je suis vraiment content d'être venu à ton émission. Ouais, c'est tout plaisir. J'ai été touché, et je suis prêt à revenir quand tu veux. Ah bah, voilà. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Il n'y a pas de souci. Parce que si tu as fait un manifeste, parce qu'on parle même de mémoire et de manifeste, j'oserais dire, de 800 pages, je pense que tu as beaucoup plus de choses à dire encore. Encore, voilà. Mais encore. Bon. On va y aller à dos homéopathique non remboursé. Pas comme ça. En tout cas, on vous remercie à tous. Merci et à beaucoup. Toutes. Merci. Tous les liens pour retrouver en fait et contacter Guy Charles sont dans la description. Il a son Facebook sur lequel il est actif. Il y a les deux sites qu'on a vus et qu'on peut revoir ici. Hein. Eric, la société, et Ike aussi, que vous pourrez retrouver. Il y a les formulaires de contact, que vous soyez en fait thérapeute ou pas thérapeute, si vous êtes privé. Vous attendez ces fameux mini pyramides, comme il a dit tout à l'heure, Guy Charles. C'est quelque chose qui va sortir rapidement. Donc, tenez-vous au courant. N'hésitez pas à vous inscrire au newsletter ou demander de plus en plus d'informations, notamment ce manifeste, si vous voulez, si vous êtes curieux et passionné pour en savoir beaucoup plus en profondeur là-dessus. Je vous souhaite à tous une très, très bonne et excellente soirée, un très beau week-end. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et merci de nous avoir écoutés. Au revoir.